Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. On va parler de cette fameuse liste de médecins ou des spécialistes de la médecine qui sont contraints de s'exiler suite au cas de la doctoresse Aminata Diop. Donc, j'ai la chance de recevoir un cas particulier de cette discrimination. Donc, je me suis dit qu'au lieu de faire une vidéo où je vais parler, moi, en faisant une espèce de rhétorique de ce qui se passe en Mauritanie, c'était mieux d'avoir quelqu'un qui pourrait nous parler de son parcours et de son enthousiasme de rentrer chez lui, de servir son pays après avoir eu une bourse et aller chercher la connaissance ailleurs pour ramener ça chez lui. Et le parcours du combattant de trouver un travail, et je vous assure que ça vaut le détour, son parcours, hein, et les désillusions qu'il a eues pour finalement finir par retourner en exil et proposer ses compétences à d'autres pays, alors que la Mauritanie manque cruellement de spécialistes comme lui. Donc, docteur Al-Hussein Oussal, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et chez Aganisha, on a une tradition, c'est qu'on laisse les gens se présenter et dire un peu ce qu'ils ont envie de dire de leur parcours ou de leur vie. Est-ce que tu es d'accord de te présenter à notre communauté? Merci beaucoup, Tanoumlel. Merci. C'est un honneur pour moi d'être invité ici parce que ça fait assez longtemps que je regarde les vidéos que vous faites, des vidéos aussi intéressantes les unes que les autres, qui éveillent, qui enseignent, qui donnent des informations, qui clarifient parfois. Les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord. Chacun tire un peu l'intérêt qu'il trouve dans ces vidéos. En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup appris. En vous écoutant parfois et j'ai beaucoup eu des éclaircissements par rapport à certains sujets. Je ne suis pas très dans l'histoire, je suis très en ras de laboratoire parce que c'est là mon domaine et j'ai tendance à oublier, à élargir un peu mon regard par rapport aux côtés qui ne sont pas très loin. Mais bon,
à m'intéresser à mes virus, à mes bactéries, et avoir souvent des sortes de résumés, des contextes, des messages qui ramènent les choses, qui laissent les gens après de juger par rapport à ce que vous faites. Et ça, c'est très intéressant et je vous en remercie. Et donc, c'est un honneur pour moi d'être là parce que j'ai vu que vous avez invité des personnes de grande qualité. Et je n'ai pas la prétention d'être classé dans cette catégorie, mais c'est quand même un honneur d'avoir pu trouver une petite place dans ça à travers l'invitation que vous faites aujourd'hui. Donc moi, c'est Alousseinou Sall. Je pense que beaucoup de personnes me reconnaîtront à travers les réseaux sociaux parce que, comme vous, je le fais, mais autrement, parce que je suis dans le domaine de la santé et très récemment, avec la pandémie de COVID-19, j'en ai fait beaucoup. Plus d'une centaine de vidéos où je réponds à des questions, je donne mon avis par rapport à la pandémie et je clarifie certaines choses qui sont en rapport avec mon domaine d'expérience. Donc, certains me reconnaîtront. Et je suis mauritanien, je suis originaire de Bababé. Bababé, c'est dans la région de Bragna. Mais avant ça, j'ai fait un parcours qui m'a amené de Bababé jusqu'ici. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler durant l'interview. Merci beaucoup. Attends, parce que tu l'as pas dit, mais moi je suis quand même un peu hallucinée par ton CV, par ton parcours. Donc tu l'as pas dit, c'est probablement par modestie, mais il faut absolument que je vous dise, parce que le monsieur, il est quand même titulaire d'un PhD en biologie option virologie de l'université Claude Bernard de Lyon, d'un master en microbiologie et physiologie et génétique moléculaire de l'université Paul Sabatier de Toulouse et d'un master en microbiologie générale de la faculté de sciences de Tunis. Pardon, c'est moi qui j'ai vu, mais vous exercez dans des grandes écoles, dans des grandes universités au Canada et tout. Et attendez, franchement, moi je suis impressionnée. Quand j'ai eu le CV, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que la Mauritanie est en train de faire, quoi. C'est c'est hyper impressionnant. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Et en plus, vous êtes même pas je veux dire, vous n'êtes même pas trop âgé, donc. Oui, je ne sais pas, c'est peut-être. Oui, c'est un parcours quand même, ça a demandé des efforts et un travail. C'est vrai que j'ai fait mes études primaires à Bababé, après, bon, je suis parti à Nouakchott. Comme tout un jeune, dans les temps, c'était trouver une bourse, aller à l'étranger. On ne s'intéressait pas trop à savoir qu'est-ce qu'on allait faire à l'étranger parce que c'était beau juste d'être un étudiant à l'étranger. En tout cas, c'était mon cas. Je n'avais pas vraiment un rêve de devenir quelque chose ou de ressembler à quelqu'un. Je voulais être juste quelqu'un. Voilà. Et puis, je suivais mon parcours. Et j'ai l'habitude de dire que moi, mon objectif quand j'étais à l'école, c'était de faire plaisir à mon papa parce que mon papa... qui n'a jamais été à l'école. Et puis, le fait juste de revenir à la fin de l'année, lui amener mon bulletin de notes, lui dire « Papa, je suis premier ou je suis deuxième de ma classe », le visage que je voyais rayonner, la joie que je pouvais lire sur le visage de mon père, ça, c'était juste mon objectif. Je n'avais pas encore un autre but, devenir quelque chose. Ce n'était pas vraiment mon but. D'ailleurs, c'est pour cette raison, quand mon père est décédé, j'avais plus envie de rien faire pendant quelque temps. Il a fallu qu'on me rebooste un peu pour me dire « Réveille-toi ». Et puis, voilà. Mais c'est vrai, quand je suis venu à Nouakchott, jeune pour la première fois, et j'ai fait le collège, le lycée de Nouakchott. D'ailleurs, à Bababé, certains se souviendront que nous avons été, la première promotion a été dans le collège de Bababé parce qu'il n'y avait pas de collège à l'époque. Les collégiens allaient à Bogué. Et moi, mon rêve, c'était de ne jamais faire mon collège à Bababé. Maintenant, je comprends que c'était un avantage, mais moi, je voulais être à Bababé parce que on regardait les élèves du collège revenir pendant les vacances. On les attendait au garage et puis on les voyait venir chacun. C'était un rêve, voilà, c'est la crème de la crème. Et puis tout le monde veut devenir comme eux. Et après, bon... À Bogué, quand même. Oui, Bogué, oui. Parce que pour nous,
ils n'étaient pas là, on parlait d'eux. Quand ils revenaient, on sentait qu'ils sont là. Et puis, c'était les vacances. Si, si, c'est à Dalhaya, ça, je peux comprendre. Mais Bogué, franchement. Bogué, vraiment, Bogué. Moi, j'avais envie d'aller à Bogué. Donc, j'ai prié que le collège ne soit pas fini. Et puis, finalement, malheureusement, heureusement, maintenant, je comprends. On a été obligés, je me souviens, on était encore en classe et les maçons étaient encore en haut pour finaliser certaines choses pour la construction. Mais finalement, bon, j'ai fait le collège et par la suite, il n'y avait pas de lycée. Dieu merci. Allez, j'avais une mission, je vais aller maintenant à Nouakchott. Arrivé à Nouakchott, j'ai fait le lycée des garçons et puis le lycée national. J'ai eu mon bac et là, enough, Mauritanie, il faut partir à l'étranger. Malheureusement, je suis resté. Heureusement encore maintenant, parce que quand je dis malheureusement, c'est dans le temps, mais je vois que c'était bien parce que ça permet de mûrir davantage avant de sortir du pays, contrairement à certains étudiants qui partaient juste après le bac et qui étaient confrontés à la fois à la dureté des études et à la jeunesse. Et puis, ils n'arrivaient pas souvent à combiner les deux. Moi, je suis resté jusqu'à quand même... De se séparer de la famille, de devoir se débrouiller seul, pour les garçons, c'est pas facile. Hein. C'était pas évident. Et moi, je suis parti après, par la suite, j'ai intégré l'ISS, l'Institut supérieur scientifique de Mauritanie, qui est devenu par la suite la faculté des sciences. Et à l'ISS... Tu peux mettre le téléphone en silencieux. Je vais même peut-être l'éteindre. Voilà, donc je suis arrivé à Nouakchott. Et à Nouakchott, on n'a pas eu le bourse. Voilà, c'est encore là une autre déception. Mais on avait de quoi se reconforter. C'était bon. Faire le concours de l'université, puis je suis resté avec des amis. Un concours que j'ai réussi par accident, je dirais, parce que je ne m'étais pas préparé. Je l'avais même saboté au début parce que mon père m'avait dit, si tu ne réussis pas, je t'amène à Dakar. Donc, c'était beaucoup plus facile d'échouer que de réussir. Heureusement, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui est devenu par la suite mon beau-frère. J'étais allé chez un ami le soir, il me dit, mais j'ai entendu que tu es en train de faire le concours de l'ISS. J'ai dit oui. Il commence à me parler, à me vanter les mérites de cette école-là, qui était d'ailleurs classée parmi les meilleures écoles d'Afrique, je pense la troisième école, meilleure école à l'époque. Et il me disait que c'était une bonne école, il m'a parlé des bourses, il m'a parlé qu'il y avait des bourses pour les majors après. Et j'ai dit, dommage, ça fait 2 jours que j'ai fait le concours, mais je l'ai fait comme ça pour juste parce que je dois aller à Dakar. Moi, mon père m'avait dit, tu échoues, tu vas à Dakar, donc je fais tout pour échouer. Et finalement, il me l'a dit, je n'ai pas dormi de cette nuit, je me suis dit, c'est dommage, avec tout ce qu'il me dit, et malheureusement, je ne vais pas avoir le concours. Et je l'ai faite, je me suis concentré sur les dernières épreuves et j'ai été réussi parmi les derniers, mais j'ai quand même été réussi. J'ai réussi quand même au concours et c'est comme ça que j'ai intégré l'ISS. L'ISS, je suis resté pendant 4 ans. À la deuxième année, il y avait eu encore une lueur d'espoir parce qu'il y avait l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar qui prenait des étudiants. Donc, le major partait et j'étais le major à l'époque. Donc, j'étais la seule personne désignée de l'université pour aller à Dakar. Et malheureusement, je viens au ministère, je trouve qu'il y a mon nom affiché, plus le nom de 2 autres étudiants qui étaient mes aînés de 5 ans, 6 ans, et qui ne répondaient pas aux critères de sélection, mais je ne sais pas pourquoi ils étaient là. En tout cas, ils ont affiché pendant quelques jours, et quelques jours, je reviens, on me dit que l'affiche a été arrachée, et finalement, la bourse a été annulée. Mais bon, jeune, mais je m'accrochais quand même, je me dis, écoute, ton père n'est pas ministre, tu n'as pas de moyens, il faut compter sur soi-même. Et j'ai cravaché fort et je suis sorti major en deuxième année, troisième année et quatrième année. Et en quatrième année, il y avait les bourses d'excellence pour aller à l'étranger. Et majoritairement, il y avait 7 filières, si je me souviens très bien. Et chaque filière, le major avait une bourse. Et tout le monde était censé aller en France, en Allemagne. Et moi... on m'a dit que bon, je n'ai pas trouvé une inscription par moi-même, donc on m'a envoyé en Tunisie. Puisque l'essentiel pour moi, c'était d'aller faire des études, je suis allé faire des études en Tunisie et j'ai fait un master effectivement en microbiologie. C'était pas mal à l'époque d'aller en Tunisie, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais c'était pas mal parce que je voulais étudier et puis toutes les conditions étaient là. Pour étudier, j'avais une bonne bourse et puis on était quand même parmi les étudiants les mieux payés comparé aux autres étudiants africains qui étaient là-bas. Et voilà, les bourses, ça restait quelques mois sans arriver, mais avec une bonne organisation. Et j'ai trouvé des aînés que je salue au passage et qui étaient là et qui j'ai habité avec eux. Donc, j'étais dans un environnement bien organisé. Donc, j'ai pu quand même réussir dès ma première année.
et j'ai entamé mes recherches qui m'ont permis d'obtenir mon master en microbiologie générale. Et voilà, toujours mordu par des études, toujours voilà, cette envie d'aller plus loin, j'ai vu, je vais aller en France. Et en plus, j'avais un ami qui était avec moi, qui avait la même bourse que moi, qui avait réussi à partir en France. Et il m'a aidé à trouver une inscription à Toulouse. Et j'avais postulé à 3 masters. Et j'étais accepté dans les 3. Donc, je suis parti. Puis, j'ai choisi le master. J'ai trouvé qu'eux, ils m'attendaient que je choisisse parce que j'avais peur. Je ne voulais pas qu'ils sachent que j'ai appliqué ici et là. J'ai dit, ils vont parce qu'on disait qu'on était motivé pour faire ça. Si je leur dis que je suis motivé alors qu'ils me voient postuler ailleurs, ça pourrait être... voilà. Alors qu'eux, ils étaient tous ensemble. Ce que je ne savais pas, c'est que la commission était la même. Donc, ils me voyaient dans les 3 et puis j'ai été choisi. Et là, je suis venu, j'ai pris le master qui me plaisait le plus. Donc, j'ai fait j'ai intégré l'Université Paul Sabatier. Et là, il y avait une sorte de vas-y, ne vas-y pas. Certains disaient, va t'inscrire en thèse puisque tu as déjà un master en Tunisie. Un de mes profs, mon mentor, qui est décédé, Dieu ait son âme, m'a dit, écoute, tu viens d'un autre pays. Je sais que c'est un système qui est différent. Je ne veux pas que tu commences ton doctorat et que tu aies des problèmes à la fin. Ils vont dire oui, parce que ça, la base n'était pas bonne. Donc, je te conseille de classer ton master que tu avais obtenu en Tunisie et d'accepter de t'intégrer à un nouveau master. Je l'ai fait. Je me suis inscrit à un autre master que j'ai obtenu la même année. Et voilà, et la commission pédagogique me dit, vous ne pouvez pas vous inscrire en thèse parce que la bourse que vous avez, c'est la bourse mauritanienne que j'avais en Tunisie que j'ai réussi à transférer en France. Il me dit qu'elle est trop petite en termes de montant pour pouvoir me permettre de me concentrer sur les études de doctorat qui risquent de prendre très longtemps. Et ils avaient décidé que désormais, seuls les étudiants qui avaient une bourse acceptable pourraient s'inscrire en thèse. Donc, on m'a empêché de m'inscrire en thèse juste après mon master. Et donc, j'ai fait un diplôme qu'on appelle un diplôme d'études scientifiques d'université. Donc, j'étais dans un laboratoire où je les aidais un peu à faire des travaux sur des drosophiles. Et là, par chance, par coup de chance, et peut-être aussi par travail acharné, j'ai réussi à sortir un papier qui est sorti dans un bon journal. Et par la même occasion, le professeur m'a beaucoup aidé. Finalement, eh bien, j'ai réussi à faire mon doctorat à Lyon. Et là encore, coup de chance. Les doctorats, très, très souvent, c'est 3 ans et plus, voire 4 ans. Souvent, 5 ans, j'ai trouvé des gens qui en ont fait 5 ans. Moi, en 2 ans et demi, j'ai obtenu tous mes résultats. Pendant... C'est un coup de chance. C'est... C'est ça. Pendant la période où je commençais à me préparer pour la deuxième partie de ma thèse, parce que j'avais divisé la thèse en 2 parties, je reçois une lettre de mon directeur qui me dit, viens dans mon bureau, me dit, je viens de recevoir la lettre du comité de l'université qui me dit que le papier que vous avez publié, mon papier était publié dans mon second papier dans un journal de très grande qualité qui s'appelle Oncogene. Et il m'avait dit que ben, ça valait souvent 2 ou 3 journaux par rapport à la moyenne des étudiants qu'ils avaient. Et il me dit, ben, vous pouvez soutenir si vous voulez. Et j'ai tout de suite... décidé de soutenir, mais je n'avais que 4 ou 5 mois pour rédiger ma thèse. Mon directeur me dit, le seul problème, c'est que tu vas peut-être t'inscrire à une autre année parce que le temps qu'il te reste est très limité. Est-ce que tu es capable? Je dis, je suis capable. Je me suis enfermé dans mon appartement et j'ai dit que je vais rédiger ma thèse en 3 mois et je l'ai fait. Et finalement, j'ai bouclé ma thèse en un peu moins de 3 ans. Et... voilà, à cette époque-là, OK, c'était le grand point d'interrogation. J'ai fait ma thèse, j'ai fini. Est-ce que je dois rentrer en Mauritanie? Est-ce que je dois rester en France? Est-ce que je dois aller ailleurs? Et comment? Et là, le grand problème se pose. Avec mon ex-fiancée qui était française, et puis on a dit, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, on va aller à la mairie pour avoir des papiers, pour que tu puisses rester en France. Je dis, mais... il n'y a pas que les papiers, il y a aussi le travail. Et finalement, je dis, tu sais quoi, on va aller, je vais aller chercher à faire une immigration quelque part. Et la chance que j'ai eue encore cette fois-ci,
c'est que juste avant de soutenir ma thèse, il y avait une rencontre qui s'était organisée en France. Il y avait beaucoup de professionnels de la santé sur la bioéthique. Il y avait beaucoup de ministres africains, des gens qui travaillent au ministère de la Santé de différents pays africains qui étaient là parce que c'est de la francophonie. Et là, j'étais envoyé là-bas comme étudiant puisqu'il y avait des modules à faire. Je pouvais participer à cette conférence-là qui allait remplacer un certain nombre de modules que je devais faire pour compléter à côté des études. Eh bien, je suis allé et il y a une question, une réponse qui m'a aidé. Il y avait un ministre, il y avait une dame, une Canadienne, qui était venue sur la bioéthique, elle a un laboratoire au Canada, elle a dit quelque chose. Elle a dit, je ne comprends pas que depuis deux jours, vous parlez de vos problèmes, que vous n'avez pas des spécialistes en bioéthique. Alors que nous, au Canada, on a beaucoup d'étudiants qui font bioéthique. Si on leur demande pourquoi ils restent au Canada, ils nous disent que s'ils rentrent chez eux, il n'y a pas d'emploi. Et ils l'ont fracassé. Ils l'ont fracassé en disant que ce qu'elle racontait, c'est de n'importe quoi. J'ai levé mon petit doigt d'étudiant. Ça, c'est encore à Lyon. Ah, à Lyon, OK. Et j'ai levé mon petit doigt, je leur dis, est-ce que je vais prendre le micro? Ils me donnent le micro. Je leur dis, je ne connais pas cette dame, mais ce qu'elle dit est vrai, parce que moi, je suis en train de finir ma thèse. Je me demande si mon pays sait encore que j'existe. Mais ce qu'elle dit est vrai, parce que je connais beaucoup d'autres qui ont fini leurs études, qui sont là, qui ne peuvent pas rentrer. Et là, tout le monde se lève parce que le doyen avait sorti mon papier qui était publié, qui venait juste d'être fraîchement publié. Et il avait mon CV, je ne sais pas comment. Il a commencé à lire mon CV, à parler de mon parcours. Tout le monde s'est levé, ils ont applaudi. J'étais intimidé. Et après, juste, ils sont venus tous me donner des cartes. J'avais reçu des cartes, des trucs d'invitation. Et puis, c'est là où la dame, la Canadienne, est venue me voir. Elle me dit, est-ce que je peux prendre un lunch avec toi? Est-ce qu'on peut prendre le repas? J'ai dit oui. Elle m'a amené dans son coin, on a discuté. Elle me dit, si vous voulez venir au Canada, je veux mettre en contact avec quelqu'un qui serait vraiment intéressé par votre profil. Alors, pendant cette période-là, mon directeur de thèse à Lyon avait des amis qui sont des Chinois. Ces Chinois-là ont travaillé en collaboration parce qu'on travaillait sur le cancer de la gorge, le cancer du nasopharynx qui était associé à des infections du virus d'Epstein-Barr qui est très fréquent dans nos pays. Et les deux endroits au monde où on avait une grande prévalence de ce cancer-là, c'était quelque part en Chine et aussi en Algérie. Donc, on avait, notre laboratoire collaborait avec des Chinois et avec des Algériens. Donc, toutes nos biopsies, nos échantillons nous venaient d'Algérie. Et donc, les Chinois savaient un peu ce qu'on fait en France. Ce Chinois a fait deux tentatives. Il est venu, parce qu'on s'était rencontrés à Paris, il est venu jusqu'à dans mon laboratoire pour convaincre mon professeur de me laisser partir avec lui après mon doctorat. Et en même temps, lui-même avait aussi... Après ma thèse, il est venu directement à Lyon pour dire à mon professeur, j'aimerais bien amener ton étudiant avec moi. Et à l'époque, donc, il y a l'idée d'aller en Chine, l'idée de partir au Japon qui s'est présentée, et quelque part en France, quelqu'un qui voulait me prendre dans son laboratoire. Mais dans tout ça, la Mauritanie, rien. La Mauritanie ne dit pas, ouais, mais avant qu'il... C'est nous quand même qui avons investi sur lui. Et c'est un Mauritanien, donc en plus, la Mauritanie, c'est un désert. Donc, ils ne se disent pas, ouais, mais il faut qu'on ramène notre enfant chez nous pour qu'il travaille pour nous. Les non. Chinois, les Canadiens, les Français, Mauritanien, non. Rien. Non, et pourtant, je n'ai jamais coupé les ponts avec eux depuis que j'ai quitté la Mauritanie, parce que pendant toute ma période d'études en France, à chaque fois que je revenais en Mauritanie, j'appelais mes anciens professeurs. Je leur disais que j'arrive telle date et je suis prêt à faire des conférences. Pourquoi j'étais intéressé à faire des conférences? C'est après que j'ai compris l'importance de ce que je faisais. C'est parce que j'ai vu dans toutes les universités où j'étais en Europe, en France et surtout en France, que chaque semaine, il y avait des chercheurs qui venaient d'ailleurs, qui venaient présenter leurs travaux. Et je me suis dit, mais je n'ai jamais vu ça chez nous. Donc moi, je me dis que je vais aller avec ça. Et chaque année, j'appelle mes professeurs, je leur dis, ils préparent une journée pour moi où je devais venir faire des présentations. Donc, pendant tout mon parcours, pendant que j'étais encore étudiant,
je venais toujours pendant, parce que je venais chaque année. Je ne suis jamais resté plus d'une année sans venir à revenir en Mauritanie. Et je passais à l'université pour faire une présentation. Donc, j'avais déjà des contacts avec eux. Et ils savaient que j'allais déjà finir ma thèse. Mais jusque-là, rien n'a encore été proposé. Mais je continuais quand même mon chemin avec beaucoup d'innocence quand même. Hein, parce que bon, j'étais jeune et puis je dis, je vais y aller, je vais étudier, c'est tout. Et plus tard, finalement, j'avais ces options-là. Partir en Chine, partir au Canada, rester en France. Et j'étais beaucoup parti avec l'option d'aller en Chine parce que mon ex-fiancée, qui était encore étudiante, faisait la littérature, les lettres, les langues. Et il m'avait promis que vous allez venir ensemble, on va vous donner un poste en Chine. Ils nous ont promis un logement, un laboratoire. Ce qui était génial dans tout ça, c'est que nous, on cherchait les échantillons qu'on attendait qu'on nous envoie des échantillons de biopsies pour le cancer. Là, on allait être dans un hôpital où les patients étaient là. Donc, il y avait du matériel. Et ils m'ont envoyé une maquette avec un livre, avec tout ce qui se passait. C'était juste génial. J'ai dit, je vais y aller. Moi, je vais aller là-bas. Et certaines personnes m'ont conseillé, surtout des Chinois, qui m'ont dit, si tu veux faire carrière, ce n'est pas en Chine que tu vas le faire. Ils vont utiliser tout ce que tu as, ce qu'ils ont. Et puis, quand ils auront fini avec toi, ils vont te jeter. Donc, ils m'ont conseillé. C'était vrai ou faux, je ne sais pas, mais ça m'a quand même fait peur. Et j'ai dit, je vais aller pour l'option du Canada. Et c'est comme ça que j'ai soutenu ma thèse en 2014, vers la fin de l'année 2014. Et en mars 2015, je suis venu au Canada. Et depuis cette date, je suis là. Et voilà, je vais peut-être vous laisser parler, ou si vous voulez que je vous parle un peu de mon parcours aussi au Canada. Oui, mais je me dis que quand même, dans tout ça, est-ce que toi-même, tu t'attendais à ce que ce soit comme ça? Est-ce que tu te disais, est-ce que tu avais conscience que tu allais être discriminée et que tout ça n'était pas normal? En fait, je ne sais pas, est-ce que moi, en tout cas, quand j'entends ce que tu me dis là déjà, j'ai l'impression d'une espèce de gâchis, comme si la Mauritanie paye pour se débarrasser de ses plus brillants éléments. C'est-à-dire que quand même, il y a la scolarité, c'est pas donné, la bourse, c'est pas n'importe qui l'a, et la Mauritanie va dépenser tout cet argent et après le diplôme, et puis il vous charge pas. Oui, oui, c'est vrai que c'est même frustrant par moment, parce que quand on commence à découvrir le monde, surtout le monde de la recherche, j'étais conscient que si je voulais encore aller de l'avant, aller dans la profondeur de la recherche, je savais que c'était pas en Mauritanie que j'allais le faire. Mais toujours dans ma tête, il y a quelque chose dans un coin, il y aura un jour où l'heure de rentrer au pays va sonner. Et j'attendais cette heure-là. Et je voulais être prêt pour le faire. Et je ne savais pas que ça allait être aussi difficile. Pendant tout ce que mais je faisais... Mais tu avais quand même un rêve pour la Mauritanie. Oui. Parce que quand le voyage, là, ça, quand tu n'as jamais voyagé, tu as toujours envie de voyager. Mais quand tu commences à faire une semaine, deux, un mois, deux ans, trois ans, ça commence à te manquer. D'autant plus que il y avait des vieux parents, mes parents étaient vieux et mon père c'était quelqu'un qui était très très proche de moi. J'avais des frères qui ont beaucoup aidé dans mon éducation. Donc moi, l'option de retourner, je savais que ça, pour moi ça allait venir, mais quand, c'était ça la question, quand est-ce que ça va venir? Mais moi quelque part j'avais cette envie de revenir. Alors j'arrive au Canada, je me suis dit, écoute, j'ai déjà fait des laboratoires en France, des très, très bons laboratoires. Et là, j'ai un double objectif. C'est de perfectionner mon anglais et en plus, en même temps, élargir un peu, parce que quand on fait une thèse en recherche, on est figé, on utilise des outils. Ces outils-là, c'est par rapport juste au sujet de thèse sur lequel tu travailles. Mais il y en a tellement de panoplies d'outils. Et plus tu avances, plus tu travailles sur des sujets, plus tu utilises des outils différents, plus tu deviens plus performant. D'où l'importance de faire ce qu'on appelle des post-docs. Les post-doctorats, c'est une fois ton doctorat, même les Français, beaucoup le font. D'ailleurs,
c'est difficile maintenant d'obtenir un emploi si tu ne le fais pas. C'est les Français, quand ils le font, ils finissent, ils vont aller dans des pays anglophones. C'est parce que c'est pour parfaire aussi leur anglais. Parce que même en France, les articles qu'on publie, les travaux de recherche qu'on fait, c'est sur la base des documents qui sont des articles qui sont édités en anglais. Donc, on comprend le sens, mais on aimerait bien en parler parce qu'on va, on part dans des conférences internationales où on voit que tout le monde parle anglais. Tu voudrais perfectionner aussi ton discours en anglais. Et puis donc, c'était encore un double objectif. C'est pourquoi quand je suis venu, l'une des conditions que j'avais posées à mon directeur qui m'avait amené au Canada, c'était c'était de me mettre dans des conditions où je pourrais aussi parfaire mon anglais. Je suis venu, ça n'a pas été trop le cas parce que j'ai atterri d'abord à l'université de Sherbrooke qui était dans le Québec. Je suis resté 10 mois. Techniquement, le labo était bon. Ils ont du matériel parce que c'était une technique qui était à la mode, c'était une technique qui avait développé mon mentor. C'était sa signature, hein. Il l'avait faite aux États-Unis. Donc, il a ramené la technique au Canada. Donc, tout étudiant voulait être à ses côtés. Donc, on était, voilà. J'ai trouvé là-bas des Sénégalais, des Maliens, un Sénégalais, un Malien, des Algériens. Et puis, je suis rentré dans le moule et puis on était contents. Mais petit à petit, je me suis dit, l'anglais me manque toujours et il va falloir que j'aille ailleurs. Et là, je ne veux même pas un endroit où on est bilingue, où on parle anglais-français. Je veux un endroit où on parle seulement anglais. Et je me suis retrouvé au fond de Vancouver, en British Columbia, où j'ai resté souvent des mois sans voir un francophone. Ça change un peu maintenant, mais avant, c'était comme ça. Et puis, c'était un casse-tête, mais ça m'a servi. Après 6 mois, j'ai commencé à parler anglais et puis je suis allé faire mon concours. J'avais eu un retard pour faire mon concours pour la langue anglaise et quand je suis allé, ils m'ont dit que tu as dépassé le niveau d'entrée, donc tu ne peux plus faire concours ici. Inconsciemment, juste en étant en immersion, j'avais réussi quand même à parfaire mon niveau. Et c'est là-bas où j'ai été... Mais est-ce que tu acceptes quand même que tu es brillant? Je suis désolée, mais tu arrives, tu, avant même de faire le concours, tu as dépassé le concours, c'est quand même pas rien, quoi. Je veux dire, ne serait-ce que ça. Je ne dirais pas brillant, je dirais peut-être travailleur, parce que j'ai été quand même avant-dernier de ma classe, hein, dans ma vie. Parce que brillant, pour moi, je ne sais même pas c'est quoi la définition de brillant. Moi, c'est la définition, c'est très bien. C'est être capable de... Enfin, pour moi, c'est être capable de faire ce qu'on a à faire. Hein. Moi, je dis travailleur et pas travailleur. Je n'aime pas trop utiliser le mot. Parce que, bon, les gens me disent, oui, il est brillant, c'est un génie. Mais bon, moi, je pense que dans chacun de nous, il y a un génie et un brillant. Il faut juste aller le chercher. Il y en a qui comprennent plus vite que d'autres. Il y en a qui travaillent plus ou moins que d'autres. Mais... voilà, on est tous brillants quelque part. Voilà, vous l'êtes, je le suis, tous les gens qui nous écoutent le sont. Il faut aller juste chercher là où ça brille et tu le sors, tu dépoussières un peu et puis ça jaillit. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc voilà, j'ai fait le concours. Ça, c'est mon grand frère Adam Assel. Ça, c'est lui qui m'a, il me dit bravo petit. Ça, c'est lui qui m'a éduqué en fait. J'ai grandi. Tu vois, toutes les bosses que tu vois sur ma tête. Merci le frère hein, de nous avoir éduqué ce monsieur-là. Toutes les bosses que tu vois sur ma tête, là, c'est lui. Il m'a tellement connu que petit que voilà. C'est lui qui m'a défiguré. Les gens me disent que je suis pas beau. Ils me disent que ma tête, elle est un peu tordue comme ça. C'est à cause de ses claques. En fait. Avec les claques, on les a tous reçus. Hein. Ah ouais. Mais lui, là, ça fait des trous et le savoir la rentre plus facilement. Lui, encore, c'était encore. Mais c'est un de mes mentors. C'est lui. Lui, c'est quelqu'un de brillant, par contre. Ah. OK. Voilà. Et comme ça, je suis parti. Et puis, à British Columbia, c'est là où vraiment j'ai été dans un environnement extraordinaire. Où tout ce dont je rêvais... étaient là des chercheurs de renommée. On était au centre St. Paul's Hospital. Je travaillais sur les maladies du cœur associées à des infections virales. On nous appelait pour nous dire qu'il y a un cœur qu'on a enlevé d'un patient, venez le prendre. Et puis nous, on était comme des... Voilà, on déchiquetait ça, faire des biopsies, étudier. Voilà, c'était un environnement où... C'est là où j'ai le plus publié d'articles scientifiques de ma vie. Parce qu'ils acceptaient des collaborations. J'étais venu avec une expertise que certains n'avaient pas.
Et donc, j'étais un peu partout. J'étais un Il peu. y a, il y a le frère qui dit qu'il était poli. Ouais, c'est vrai, en plus, il est très poli, très posé. Vous Lui. l'avez bien formé, en tout cas. Parce qu'ils veulent dire ça pour le moment, on sait, attend jusqu'à la fin, on ne sait jamais. On ne sait jamais parce qu'il peut te surprendre. Hein, là, il est content. Je pense que sa femme est en train de lui servir du thé, il est content. C'est ça. Et voilà, donc à partir de là, je me suis dit, c'est là maintenant où l'idée de retourner au pays commence à titiller un peu quelque part dans mon cerveau. J'ai dit, après toutes ces années, mon père était devenu trop vieux. Il tombait souvent malade et puis je me suis dit, maintenant il faut que je rentre. Mais comment? Alors, même si je revenais au pays chaque année, même si j'étais connecté au pays, c'est devenu un terrain que je ne maîtrisais plus. En plus, ma vie était la vie d'un jeune étudiant, un jeune adolescent et tout ça. Attends, juste un truc. Il y a des gens, mais ils sont éclatés. Ils sont en train d'inonder le chat avec leurs messages de marabout et tout ça là. Nous, on ne croit pas à vos marabouts. Donc, allez voir ailleurs. Il n'y a personne qui va venir avec vos marabouts. C'est incroyable. Mais aidez-moi à les signaler, s'il vous plaît. Ah, il pense que je suis marabout. Non, 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 c'est des gens qui, tu sais, les marabouts, ils ont aussi je sais pas, leur communauté, et ils diffusent des messages à chaque fois pour appâter les gens, pour dire, ouais, numéro de WhatsApp d'un tel marabout, si vous voulez. Ah ouais. Ils l'ont Moi, gardé. ça me saoule, je passe mon temps à supprimer leurs messages et à les bloquer, j'en peux plus, quoi. Ils n'ont qu'à nous aider à trouver un moyen pour. S'ils pouvaient, je pense qu'ils passeraient pas leur temps sur les à pourrir les chats des gens. Excuse-moi, Voilà, pas vas-y. de problème, ouais. Donc voilà, ça a commencé et puis j'ai dit maintenant il faut revenir au pays. Et là, mais maintenant comment? Je suis novice dans mon propre pays, je ne sais pas comment faire parce que la vie d'étudiant c'est plus pareil que la vie de maintenant quelqu'un qui recherche du travail, qui veut s'insérer. Et j'ai trouvé quand même un moyen d'essayer d'approcher. Et par rapport aussi à ce que j'ai appris au Canada, il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme, il faut aussi savoir approcher les gens. Je suis très nul, je suis très nul dans ça. Et les gens me disent que tu es ami à tout le monde, mais tu ne sais pas comment exploiter tes relations. Parce que c'est trop lourd pour moi de venir demander service, aide-moi à trouver un emploi. Non. Je me dis, voilà, je postule, je vois des candidatures, je postule et c'est tout. Alors qu'il y a un travail à faire, ce qu'ils appellent ici le networking. They say it's a networking, but for me, it's not working. Voilà. Moi, j'appelle ça it's not working for me. And maybe networking, but it's not working for me. Il a fallu retravailler sur ça. Donc, j'ai dit, alors, ils m'ont dit, j'ai entendu toujours les gens dire ici, si tu veux que les gens te prennent dans un travail, démontre, montre-leur que tu le veux. Donc, je me suis dit, je vais montrer à la Mauritanie que je veux revenir. Comment? J'ai commencé à écrire. Puis, à mes anciens professeurs, d'ailleurs, je n'avais jamais coupé contact avec eux, je leur dis, est-ce qu'il y a une possibilité de venir pour faire quelque chose? Et là, un de mes professeurs me dit, ça, c'est Nefissa Fall. Ouais, je ne sais pas de qui il parle, mais je pensais que c'était. J'ai une étudiante qui s'appelle Nefissa, qui fait sa thèse, qui est inscrite à l'université de Knoxville. Je pensais que c'était elle, mais ce n'est peut-être pas elle. C'est peut-être elle aussi, on ne sait pas. En tout cas, elle me dira. Donc voilà, et j'ai commencé, je me suis dit, j'ai commencé à écrire à mes professeurs. Je lui ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Et finalement, ben, on m'a dit, est-ce que tu veux enseigner parce qu'on a des masters? Et on a des professeurs qui viennent de l'étranger pour enseigner et on sait que tu fais bien l'affaire. Donc, je remercie au passage le chef de département, je remercie au passage toutes les personnes qui m'ont aidé, qui ont essayé avec moi, qui ont tout fait. Et je sais que si ça ne tenait qu'à eux, aujourd'hui, je serais encore en Mauritanie et je ne leur remercierai jamais assez. Ils l'ont fait, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des cours, ils m'ont confié des cours. Et là, j'ai commencé à venir chaque année. Et je venais, je donnais quelques cours, je leur disais, voilà, je suis là. J'essayais de faire le plus professionnel possible pour que ça marche, pour amener ma touche
de perfectionnisme dans la recherche, parce que si on n'est pas perfectionniste, on ne peut pas faire de la recherche, on ne peut pas enseigner. Et là, j'ai continué à le faire pendant des années et ça n'a jamais donné. Et il arrive un moment où on s'est dit maintenant, je regarde en arrière, je dis, je suis en train de perdre mon temps parce que j'ai refusé de m'intégrer au Canada. Je n'ai même pas cherché parce que moi, mon objectif, c'est de retourner dans mon pays. Et voilà, ça fait quelques années, 5 ans, 6 ans, que je fais des allers-retours. Je revenais au Canada, je travaillais pendant 6 mois. Je mettais un peu d'argent de côté qui, je sais que cet argent va me tenir 6 mois. Mais est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner des cas concrets de comment, quand vous êtes arrivé, qui vous avez été voir? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont promis des choses? Pour l'enseignement, il me disait qu'il ne pouvait pas promettre. Et je comprenais parce que moi, mon point de chute, c'était l'université. Et les universitaires, ce n'est pas des recruteurs. Mais il n'y avait pas de centre de laboratoire ou de centre de cancérologie et tout ça où tu pouvais travailler? Oui, ça, il y a eu, il y en a eu, c'est en dehors de l'université, ça, je reviendrai, c'est vrai, il y a eu ça, je reviendrai sur ça. Mais l'université, quand même, c'est que les recrutements, parce qu'il y en avait beaucoup de professeurs qui étaient là, qui attendaient d'être recrutés, qui n'avaient pas la chance que j'avais eu, moi, de pouvoir revenir au Canada, mais qui étaient obligés de rester à attendre qu'on les appelle pour 2-3 cours et puis qu'ils disparaissent. Et puis voilà, moi, j'avais cette option-là, repartir au Canada pour me ressourcer un peu, mettre quelques dollars dans ma poche pour pouvoir venir me louer un appartement et vivre là-bas quelques mois. Si je vois que ça finit, j'ai plus rien, je retourne au Canada encore retravailler un peu. Mais certains n'avaient pas cette chance-là. Mmh. Mais pour ce qui est de... Mais c'est dingue quand même de devoir aller ailleurs pour travailler, alors que tout le monde cherche à aller, par exemple, à vivre au Canada ou en Europe. Vous, vous avez la chance de vivre là-bas, mais vous allez travailler un moment pour pouvoir revenir vivre en Mauritanie, juste pour pouvoir travailler là-bas, quoi. Oui, oui. Vous avez, les envies ne sont pas les mêmes. Il y en a certains qui ont choisi l'exil, mais certains sont forcés à l'exil. Comme je l'ai dit, quand j'ai vu votre titre, j'ai apprécié beaucoup parce que c'est exactement ça. Parce que souvent, je suis trop peiné quand les gens me disent « vous avez fui le pays ». On vient, on fait une conférence parce que malgré que je sois au Canada, je n'ai pas perdu quand même mes racines. Moi, je suis fier d'être mauritanien et africain après tout. Donc, les gens disent « oui, ils ont abandonné leur pays ». Ils ne te laissent même pas la chance de donner ton avis par rapport à tel ou tel événement. Ils te disent « vous, vous êtes là-bas à l'aise et puis vous nous laissez ici et puis vous nous embêtez. Venez avec nous ». Ils pensent que voilà, toi, tu as choisi de partir. Quelque part, oui, mais il y a un peu de dignité dans la vie. On aimerait tous être un peu plus. Parce que quand les gens veulent te traîner, tout ce que tu as fait comme année d'études, et après, ils veulent te traiter comme en moins que rien, même quelqu'un qui n'a pas fait d'études mérite d'être bien traité. Et finalement, on se dit, mais mieux vaut aller vivre ailleurs, cacher ta souffrance et puis y aller. Normalement, nous, on a rien choisi du tout. Même les gens qu'on dit qui quittent leur pays puis qui traversent la Méditerranée et qui pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado, ils n'ont pas choisi de quitter leur pays. Il n'y a personne qui choisit de quitter ses racines, sa famille, ses parents et aller vivre dans un pays que tu ne connais pas ou tu es même détesté parfois. Donc, je trouve que c'est un peu facile aussi de dire qu'on n'a rien choisi du tout. J'ai tendance à dire à ces gens-là, la seule personne qui aime voyager, c'est celui qui n'a pas encore voyagé. Si tu n'as pas encore voyagé, là, tu as envie d'aller voyager partout. Mais une fois que tu as voyagé pendant des années, comme moi, je l'ai fait, tu as envie de... Moi, quand je reviens en Mauritanie, 10 mois, c'est comme 10 jours. Parce que j'aime, veux tellement rester que, mais bon, tu es obligé de repartir. Quand je repars, j'ai un pincement au cœur que je dois encore repartir. Ce n'est ni le froid, il y a le confort, il y a tout, mais le confort, ça va au-delà de ça, parce que ton entourage, le parfum que dégage le quand tu embrasses ta maman et de réveiller le matin, d'aller te cogner. De discuter des gens, d'être dans un... Oh là là, désolée. C'est pas facile, hein. Les gens ne comprennent pas. Parce que... Excusez-moi. Parce que mon père est mort
Oh là J'étais là. là. Le jour où je partais, j'allais embrasser il m'a serré avec une force que j'appelais force d'adieu. Il était vieux, il m'a lassé comme ça. Je suis allé 3 fois dans la voiture où je suis revenu. J'ai encore ce Ah, regard. c'est ça notre problème, ouais. Vas-y, vas-y. J'ai encore ce regard-là de mon père. Quand je suis revenu, j'ai appelé un ami, je lui ai dit. Mon ami, je ne verrai jamais, plus jamais mon père. Il me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il est malade? Je dis, non, non, mais j'ai senti quelque chose. Je ne verrai jamais, plus jamais mon père. 2 semaines après, on m'appelle, on me dit que mon père est décédé. J'étais à l'université, je reviens à la maison, je vois mon téléphone, il y a un message, j'écoute, on m'annonce le décès de mon père. C'est pourquoi je dis, je pardonne tout le monde. Toute personne qui m'a fait quelque chose dans ma vie, je pardonne. La seule personne, je ne sais pas si je peux l'appeler personne parce que je ne sais pas c'est qui. J'appelais le système. Le système qui a fait que j'ai été obligé de partir et de ne pas revenir et que mon père décède derrière moi, je ne pardonnerai jamais cette personne-là. Et ma mère est vieille. On m'appelle, on me dit, voilà, elle est malade. La seule chose que je peux faire, c'est d'appeler mes collègues, mes amis, leur dire, maman est malade ou envoyer de l'argent. Je ne sais même pas si je mourrai avant ou après elle. Je ne sais même pas. Dieu seul le sait. Mais je suis peiné de voir que même ma famille souffre de mon absence. Parce que je me sens utile partout dans le monde. Oui, je sais, je cherche à être utile. Mais je sais que je suis beaucoup plus utile chez moi. Mais on m'oblige. Donc c'est pourquoi quand on dit forcer à l'exil, je dis c'est ce qu'il faut faire. On ne m'a pas mis un pistolet sur la tempe ou voilà, sur la tête pour dire va, sors du pays. Non, mais c'est pareil ou c'est même pire. Parce que tout est fait pour que tu ne reviennes pas. À qui la faute? Je ne sais pas. Je ne dirai pas. La faute au système, hein, c'est le système C'est aussi raciste un système. qui Et vu que le est système n'a pas de nom, c'est l'irresponsabilité de nos dirigeants de. vu que le système n'a pas de nom, n'a pas de prénom, on dit le système. Et si le système, il m'entend, il n'a qu'à comprendre que je lui pardonne jamais. C'est tout. Voilà, et donc. En tout cas, il reçoit beaucoup, plein, tout plein de messages de soutien et tout. Je pense que ton parcours est assez touchant. Donc, du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler des difficultés que tu as eues, des cas concrets à Nouakchott où tu as cherché du travail et Je suis quelqu'un de têtu de nature, têtu dans le sens où je n'abandonne jamais. Et quand j'ai essayé à l'université, ça n'a pas marché. Et puis, je vis que, ben voilà, y a eu des anecdotes qui sont très drôles parce que on m'avait demandé de venir enseigner la cancérologie. Et j'ai enseigné au niveau du master. Et quand j'ai enseigné 1 année, 2 ans, et puis, j'ai trouvé qu'ils avaient besoin d'un professeur qui doit enseigner l'anglais scientifique. On m'a donné ce cours-là, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné la biologie cellulaire, la biologie moléculaire. Donc, moi qui étais parti pour enseigner une matière, je me retrouve à enseigner plein de choses. Et pour être honnête, tous les professeurs qui m'entouraient appréciaient ma méthode d'enseignement et ont tout fait pour que je puisse trouver une place. Mais les décisions ne venaient pas d'eux. Et quand je pars voir le doyen me dit, c'est l'université. Et mon frère qui est là, qui avait un de ses amis, c'est en Mauritanie, c'est comme ça, il faut trouver quelqu'un que tu connais qui est haut placé pour t'aider à trouver un emploi. Il m'a mis en contact avec un de ses amis qui était ministre. Et puis il me reçoit dans son bureau, il me dit, je ne comprends pas qu'il laisse des gens comme ça. Quand on entend des choses comme ça, on se dit, voilà, il y a quelqu'un qui comprend et quelqu'un qui peut peut-être prendre une décision. Quelques jours après, j'arrive à l'université, l'université m'appelle, me dit, mais ton CV est venu ici de la part du ministre. Mais nous, on a ton CV déjà. On leur a envoyé ton CV pour leur dire qu'on a besoin de toi. Et là, ils nous renvoient le CV. Donc, tu es comme un ballon de ping-pong entre les deux. Et tu restes comme ça pendant 5 mois, 6 mois.
Mais en même temps, ils avaient quand même besoin de quelqu'un qui avait les compétences que tu avais en ce moment-là. Ils avaient des machines qu'ils avaient, dont ils avaient besoin Voilà, ça c'est et la qu'ils part, avaient ça c'est la part de l'hôpital. Je vais revenir sur le centre de cancérologie parce que je suis virologue de formation. J'ai travaillé sur les virus. Et j'ai travaillé beaucoup sur le virus des hépatites, qui vraiment qui est un problème en Mauritanie. Et il se trouve que je suis venu à Nouakchott une fois. Il y a un professeur qui s'appelle Carayon. Il était le représentant de la France auprès du ministère de la Santé en Mauritanie. Peut-être que je ne dis pas correctement sa position, mais c'est à peu près ça. Alors, arrête de me faire pleurer, frère. Et professeur Carayon me dit, écoute, j'ai vu tes publications. Tu travailles beaucoup sur les marquages des cellules cancéreuses. Et là, on a reçu une demande du centre de cancérologie pour un spécialiste. Et je ne pense pas qu'on peut trouver un spécialiste mieux que toi en France. Ils veulent qu'on leur amène quelqu'un. Ce que je vais faire, c'est que je vais amener ton CV. C'est lui-même qui a pris mon CV. J'étais assis dans son bureau. Il est allé le déposer dans le bureau du ministre. Et ça, c'est en français, En français. qui est embauché par le gouvernement mauritanien, mais qui n'embauche pas des Mauritaniens. Ouais. Ils embauchent des Français, quoi. Il m'a dit, je ne sais pas dans quel cadre il était venu, mais il était quand même dans le ministère. Il avait un bureau là-bas. Et puis il me dit, je vais le déposer au bureau du ministre et puis le ministre va t'appeler. Quand je suis venu voir le ministre me dit, c'était à l'époque de Dr. Ba Hussein, il me dit, voilà, je pense qu'ils auront besoin de toi. Mais va voir le directeur du centre de cancérologie. Je suis allé le voir. Je m'attendais à ce qu'on me pose des questions sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, mais on me demandait combien d'années je suis resté à l'étranger. C'était comme si tu es resté combien d'années? Je dis, ben, ça fait longtemps. J'avais dit peut-être 15 ans. Il me dit, pour moi, c'est 17 ans. C'est quoi le rapport? Ouais, bon, parce que peut-être plus tu restes à l'étranger, plus tu es plus valeureux, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'était pas ça que j'étais venu chercher. Il m'a dit, ben, écoute, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Et puis, voilà. À l'époque, ils avaient quelqu'un qui s'occupait des machines, donc il m'a amené visiter les machines. J'ai trouvé que c'est les machines que j'utilise dans mon laboratoire ici. Et eux, les machines étaient cachées, me disaient, parce qu'il n'y a pas de spécialistes pour faire marcher ces machines-là. Apparemment, il y avait des personnes qui étaient envoyées pour être formées pour ça. J'ai trouvé une Italienne. Oui, je pense que c'est une Italienne ou une Espagnole qui était là en train de faire des lames. Elle traçait des lames pour les échantillons de biopsie des personnes cancéreuses. Donc, elle coupait les lames. Et puis, quand j'ai regardé et puis on a commencé à discuter, il me dit, ah, c'est toi, Alucine Sal. Il dit, ah, j'ai lu tes articles. Mais pourquoi tu ne reviens pas dans ton pays? Je dis, j'aimerais bien. Elle me dit qu'elle, elle est stagiaire ou bien elle était en vacances. Elle était venue pour juste aider. Parce qu'elle a entendu que la Mauritanie a un centre de cancérologie et que ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas soin. Elle est venue pour les aider. Puis elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on prenne un café? On n'a pas eu l'occasion de prendre le café. Elle me dit, j'aimerais bien en discuter avec toi parce que moi, c'est pendant mes heures de congé, des jours de congé que je viens ici pour aider, pour être volontaire. Il me dit, ce qui me désole, c'est juste que, bon, voilà, souvent, c'est trop tard. Quand je fais des biopsies, les personnes sont mortes depuis longtemps. En tout cas, on a discuté, on a beaucoup jasé. Et elle voyait le paradoxe que moi je voyais, que beaucoup de personnes voyaient. Mais à qui s'adresser? Est-ce que le recrutement, c'était le directeur du centre qui allait recruter? Je ne pense pas. Le ministère m'a dit, va discuter avec lui. Et puis lui, il me demande de proposer qu'est-ce que je pourrais faire pour aider. Je m'attendais plus à ce qu'on me dise, voici nos problèmes, qu'est-ce que tu peux faire? Mais on me dit, dis-nous, qu'est-ce que tu peux faire? Pour nous. Donc j'imagine des choses qui n'existent pas, je ne sais pas s'ils l'ont ou s'ils ne l'ont pas, je rédige un plan, j'ai dit, voici ce que je peux faire. Et puis, je dépose, j'attends des réponses, je n'ai pas eu de réponse. Je pars le voir, il me dit, mais dis-nous combien tu veux être payé. Je suis allé me renseigner sur les gens, sur combien les personnes touchent comme salaire. Je dis, je vais mettre un salaire comme ça. Pas chercher trop haut, pas trop bas, mais m'aligner un peu. Puis, je propose ça.
puis rien. Je suis resté, rien. Et je suis revenu encore au Canada. J'ai travaillé encore quelques mois et j'ai dit, allez, encore à l'assaut. Je suis revenu. Cette fois-ci, le même professeur Carillon, je le vois, et il me dit, il m'a invité à faire partie du comité pédagogique pour évaluer des bourses. Il donnait des bourses à des docteurs mauritaniens ou des doctorants qui allaient faire de la recherche, et il m'a appelé comme élément du jury. Donc, j'ai été membre du jury. Il m'a dit, écoute, moi, je suis vraiment désolé que tu ne puisses pas revenir chez toi, mais je vais continuer à essayer de chercher pour t'aider. Un jour, j'étais chez moi, mon téléphone sonne, il m'appelle, il me dit, viens me voir. Je suis venu, il me dit, je viens de parler avec le président Aziz, son excellence. Un centre d'hépatovirologie va être ouvert. Puisque tu es virologue, hépatovirologie, les hépatites, tu as travaillé, c'est parfaitement ton profil. Et je pense que maintenant, tu vas retourner en pays, mon petit, tu vas retourner dans ton pays. J'étais content. Et puis, on a travaillé, il m'a mis dans un comité. J'ai été choisi parmi d'autres personnes pour rédiger les plans stratégiques de la mise en œuvre du projet d'ouverture dans le laboratoire d'hépatovirologie, dans le centre d'hépatovirologie. Les deux collègues avec qui j'ai travaillé reconnaîtront. Et puis, on a travaillé, on a bossé, et puis j'ai fini. Maintenant, il faut travailler. Comment est-ce que je vais pouvoir intégrer et comment tu vas? Il me dit, vas-y, moi, je vais m'occuper de ton dossier. On est allé voir le ministre. À l'époque, c'était Dr. Khan qui était ministre. On est allé le voir et puis il nous dit, bon, le dossier est là et puis on va essayer de l'occuper. À l'époque, mon grand frère, celui-là, avec la gang, là, ils m'ont amené. Pour trouver un emploi, il faut aller voir les politiciens. Je dis, bon, oui, pourquoi pas. Donc, ministre, député, maire. J'ai même été voir des politiciens pour avoir donc, des... Voilà. Okay. Et j'avais mon sac et puis il m'a amené. Moi, je partais avec eux. Voilà, à chaque fois que tu sortais chez un ministre, je disais, oh, mais la chose est dans la poche, là. Ça, le poste, c'est demain. Ça n'a jamais eu lieu. Alors... Un jour, on est allé voir. À ton avis, c'est pourquoi est-ce que ça ne marchait pas? Est-ce qu'il y a un système, comme moi, je pense, hein, qu'il y a un système qui empêche les Noirs d'avoir accès au travail? Ou est-ce que pour toi, c'est autre chose? Qu'est-ce qui fait qu'on ne t'a pas pris? Si je savais répondre à la question, j'allais dire c'est ça. Je ne suis pas du genre à généraliser dans l'interprétation de mes choses, mais c'est sûr qu'il y a un système. Parce que, puisque tu ne peux pas indexer une personne, tu vas tout simplement dire que c'est à cause du système qui est mal fait, intentionnellement ou pas intentionnellement. Je laisse les auditeurs juger, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un système qui est fait comme ça et qui fait que le pays ne cherche pas avoir des choses qui aident à changer la situation. Donc, parce que je le dis, parce que j'ai connu des gens qui étaient des différents groupes ethniques qui sont touchés par ce problème-là. C'est sûr, il y a une majorité de personnes qui sont les plus victimes de la chose, et ça c'est très ancien, parce que si je reviens un peu pendant mes années de lycée ou mes années d'université à Nouakchott, on voyait de la ségrégation qui se faisait par rapport aux bourses, par rapport à des attributions de prix, on le voyait. Mais est-ce qu'on peut... C'était pas aussi dramatique, quoi. Voilà. Donc, plus on avance, plus les choses vous affectent davantage dans la vie et plus on accumule les frustrations et plus on a tendance à acquiser tout un groupe ethnique ou non. Moi, j'accuse un système. C'est un système qui est fait, qui est très mal fait. Intentionnellement ou pas intentionnellement, tout le monde sait, tout le monde sait, chacun va juger de sa façon. Alors, si je reviens sur le truc sur le centre d'hépatovirologie, le ministre me dit, c'est bien, j'ai eu ton CV. Une fois, ils m'ont amené voir une dame qui est très classée, positionnée dans la hiérarchie des partis politiques.
Et puis, elle prend son téléphone et l'appelle. C'est les fléaux quoi, de la Mauritanie. Voilà. Je suis désolée, mais... Moi, j'avais mon CV comme ça. Puis un jour, elle m'a dit, mais ton CV, là, quand même, il faut l'humilier un peu. Parce que mon CV, c'était un classeur d'environ 300 pages. Parce que, vu que j'étais dans la recherche, il y a les publications, il y a les rapports qu'on a faits. Il ne suffit pas juste de dire, j'ai travaillé sur... Non, c'est un truc, donc j'avais des documents. Parce que les CV académiques, c'est dans les académies, c'est ce qu'on dépose quand on cherche un travail dans un laboratoire. Donc, je mettais ça dans un truc. Puis, je me disais, mais ça, là, si tu amènes ça... Même le gardien va avoir peur de te laisser rentrer. Donc, c'était, on rigolait. Le classeur, il est encore là. C'est un classeur de souvenirs. C'est mon classeur souvenir que j'ai laissé ici, intact. Je dirais, quand mon fils qui a 8 ans, ma fille qui a 8 ans, me posera la question, je lui dirai, ton père a fait tout ce qu'il pouvait faire pour revenir, mais on n'a pas été accepté. Toutes mes demandes, mes lettres sont tous là. J'attends le jour où elle va venir. Peut-être c'est demain, je ne sais pas, mais... j'en reparlerai avec beaucoup de sourire. Alors, on est parti et puis elle appelle, la dame appelle, l'hôpital appelle le ministre. Il dit, j'ai avec moi le jeune docteur Sall, virologue. Moi, je pense qu'il va être quelqu'un, un bon élément pour vous, pour le centre d'hépatovirologie. Elle dit, ah oui, non, j'ai vu son CV de tout. Au parleur, j'écoutais le ministre parler avec la dame. Avec son CV. Et la dame, c'est une Mauritanienne aussi ou c'est une Mauritanienne qui est okay. dans la crème de la crème politique. Puis, elle était députée et chef de parti au pouvoir. Et puis, voilà, elle appelle. Et puis, le ministre dit, oui, non, j'ai vu son CV. J'étais impressionné. Je pense qu'en plus, elle colle parfaitement à la personne. Et c'est la seule personne que j'ai vue qui pourrait m'aider pour monter ce centre. Ah, je dis, ah, là, c'est fini, là. Moi, demain, c'est l'emploi. Peut-être je vais aller au Canada, je vais peut-être laisser une partie de ma valise parce que je sais que je vais revenir bientôt. Je suis resté presque un an. Je suis parti en Mauritanie dans un autre projet volontaire que je faisais avec un Écossais pour aider des gens qui avaient des problèmes de soins palliatifs. On les aidait, on avait un projet, on les aidait, on allait dans les maisons pour leur procurer des soins et tout ça. Or, il fallait signer un document avec le ministre. Donc, j'étais avec lui, avec mon collègue écossais, on est venu dans le bureau du ministre. Je me présente, j'ai dit, Alousine Sall. Il me dit, Alousine Sall. J'ai dit, oui, vous ne vous souvenez pas de moi? Il me dit, non. J'ai dit, centre hépatovirologie. Il me dit, non, ça ne me dit rien. J'ai dit, plan stratégique numéro 5. Il me dit, non, ça ne me dit rien. Je dis, oh, on laisse tomber, on s'occupe de ce qu'on est. Il me dit, mais non, dis-moi. J'ai dit, non. Si tout ça, vous ne vous souvenez pas de moi, c'est la même personne que j'avais entendu dire au téléphone que j'ai son CV, c'est la personne à qui j'ai le nom. Finalement, parole. Il ne se souvenait même pas de ton... Voilà. Ou alors une ressemblance. En tout cas, juste pour faire une petite parenthèse, j'ai reçu une liste de scientifiques mauritaniens, mais vraiment archi qualifiés, qui sont dispersés dans le monde. Il y a un Sall Abdoulaye, c'est en Belgique, il est chef de service gynécologie à l'hôpital Roi Baudouin. Il y en a tout plein. Il y a Seduna Yatera, il y a Toli qui est à Bourg. Il y a aussi Bal, son cas aussi est particulier. En plus, c'est quelqu'un que je connais. Il est détenteur de 2 diplômes. Il est urgentiste en France. À son retour, on lui a refusé de composer, soi-disant, dans cette spécialité, que cette spécialité n'était pas ouverte. Donc, il est reparti en Belgique pour faire une spécialisation en anesthésie, en réanimation. Et il est revenu, il est têtu, hein, le gars. Et puis, on lui a dit qu'il a dépassé l'âge. Ouais. Finalement, il a été travailler chez SOS Médecins à Dakar. Ouais. Ouais. Et c'est tous des cas comme ça. Là, c'est Kader Ndiaye, qui est le frère d'un ami, qui est réanimateur et qui est au Tchad.
L'autre, à Addis Abeba, France, quand même, c'est vraiment. J'ai même l'impression que c'est un peu comme au temps de l'esclavage où on prenait les meilleurs et on les envoyait aux États-Unis, en France et en Belgique. Et ça, c'est quelque chose qui se répète un peu comme sous une autre forme. C'est-à-dire qu'avant, c'était. Ils venaient, ils nous chassaient, ils prenaient les meilleurs. Et aujourd'hui, ils attendent que nos pays fassent la sélection, nous forment et payent même pour former les gens. Et là, ils reconnaissent qu'on est compétent, ils les prennent. Oui, J'ai un peu l'impression que c'est un marché de. Voilà. mais c'est ce qu'ils disent même au Canada. On dit des chercheurs, des chasseurs de têtes. C'est ce qu'ils disent au Canada. Et puis, ils s'en cachent pas. Le Canada le fait ouvertement. L'immigration au Canada, elle est sélective. Ils ne vont pas prendre n'importe qui. Ils vont C'est prendre ça des gens. le problème, c'est-à-dire que quand même, nos pays, avec le peu de moyens qu'on a, investissent dans leurs enfants et ensuite pour que le Canada recueille les fruits, pour que c'est vrai que nos pays, il y a clairement un problème dans nos pays, mais aussi c'est un système qui a été mis aussi en place, je pense, par les Occidentaux et puis nos pays, ça les arrange comme ça. Moi, je pense, je dis toujours que si. Toi, tu étais obligé de rester au pays. Moi, j'étais obligé de rester. Tous les gens qui sont partis là étaient obligés de rester au pays. Le pays, il ne serait pas comme ça. C'est Non, où on a le travail, où c'est là. Ouais, on s'entretue, quoi. Mais là, ça les arrange un peu. Donc, on nous calme un peu en nous donnant du travail ailleurs. Et dans nos pays, et puis en plus, c'est nous qui. C'est la plupart du temps, c'est les migrants, ou enfin les exilés qui entretiennent les familles, parce que déjà il n'y a pas de travail pour eux. Dans les hôpitaux, il n'y a rien. C'est les émigrés qui construisent les hôpitaux, les écoles et tout ce qu'il y a là-bas. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une espèce de plantation où le truc il circule, ou je sais pas. Est-ce que vous avez le même. Oui, c'est exactement ça. Parce que je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y avait une campagne électorale qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, où les gens élisaient au niveau des différentes provinces ici au Québec et au Canada en général. Et il y a un des politiciens qui a commis une bourde en disant que les immigrés ne foutent rien, ne travaillent pas et tout ça. Ça lui a coûté cher. Parce que tous les politiciens sont sortis lui dire que s'il n'y avait pas ces immigrés au Canada, ils ont même donné des chiffres, ce que rapportent les immigrants au Canada. Le Canada, tu vides le Canada de ces immigrants, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien. Il y a certaines sections où tu arrives, tu trouves que 100%, c'est des immigrants. Parce que pour tout C'est ça. pas qu'au Canada, c'est partout dans le monde entier. Aujourd'hui, tu enlèves les immigrés. En France, ils sont en train de râler. Moi, je dis on ne sait pas, nous, Africains, qu'on a une arme redoutable. Il suffirait que nous tous, on retire notre argent de la banque, nos petites économies là, et qu'on décide de rentrer chez nous. C'est toute leur économie qui va s'effondrer. Exactement, parce on a même eu ça dans un laboratoire. On était assis une fois, il y avait un petit pépin qu'un de nos collègues avait eu, et puis on a fait le calcul, on a regardé le nombre de personnes qui étaient au laboratoire, et on a trouvé que 99,9% des gens étaient des immigrants. Et on s'est dit, si aujourd'hui on refuse de travailler, le labo il tombe Voilà. Et finalement, ils ont intérêt Et à c'était nous comme ça respecter. aussi. Moi, je suis désolée, je fais le même rapprochement avec la colonisation et l'esclavage. C'était la même chose. C'était la différence, c'est que nos ancêtres, mais capte non. Aujourd'hui, on pense même qu'on est bien, c'est-à-dire que nos ancêtres avaient la conscience que c'était pas normal. Donc, ils étaient obligés. C'était le fouet et le et la et le enfin, je sais pas, et l'épée. Aujourd'hui, nous recherchons ça. Nous pensons que c'est je sais pas. Mais c'est vrai que l'économie, en tout cas, je parle du Canada parce que c'est le pays que je connais le plus. Je parle aussi dans le système dans lequel je suis. On vient sur tout un système et puis on trouve que tout le monde vient d'ailleurs. Tout le monde vient d'ailleurs.
Donc, ce qui fait que, voilà. Il y a le frère qui est canadien, qui est haïtien, qui dit qu'il n'y a plus de médecins haïtiens. Oui, ça c'est. Dans son pays d'origine, quoi. Parce que les Canadiens, ça les arrange. Parce qu'ici, au Canada, pour aller à l'école, à partir du secondaire, les études universitaires sont payantes. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça coûte cher à l'État, donc l'État ne prend même pas tout en charge. Donc, on est obligé de payer parce que ça coûte cher. Et pour eux, aller à l'école, c'est un investissement. Quand je suis venu ici, moi, au Canada en 2005, j'étais le seul étudiant fraîchement diplômé qui n'était pas endetté. Ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais comment est-ce que tu as pu faire? Ils pensaient que quand tu fais des études jusqu'à arriver au doctorat, c'est que tu es riche. Ils me disent, ton père est riche. J'ai dit, non, mon père, c'est un vieux cultivateur qui n'a rien. Voilà. Et ils me disent, mais comment tu as pu faire tout ça? Je dis, à travers des bourses. Les bourses, c'est qui? C'est mon pays qui me les donne. J'ai été avec des Japonais, quand ils recevaient des bourses pour aller faire des études en France, ils étaient obligés de revenir dans leur pays, servir le pays pour une période avant d'être libre d'aller ailleurs. Parce que c'était un contrat, on te paye, tu le rends. Ça devrait être comme ça. Et nous, on est formés, on veut payer, on nous refuse. Moi, je veux revenir dans mon pays, on nous refuse. Donc voilà, et ici au Canada, les gens ne comprenaient pas que à l'époque, il n'y a pas un étudiant. Quand j'étais venu, il n'y a pas un étudiant qui était avec moi qui n'avait pas de dette. Parce qu'arriver à l'université, il faut que tu payes tes études. L'État ne paye plus, ne prend plus à charge tes études. Donc, les gens, ils ont ce qu'on appelle des pré-bourses. Ces bourses-là, ils te donnent de l'argent, tu fais tes études et quand tu commences à travailler, tu payes par portion. Alors que là, ils vont recevoir des gens qui sont formés et ils n'ont rien investi dans leur formation. Ils te payent juste quelques mois d'adaptation ou un peu de langue ici ou bien ici. Et puis hop, tu es à eux. Et puis, c'est le c'est-à-dire que non seulement ils gardent ce qu'eux, ils ont de mieux, mais ils prennent ce que les autres pays ont de mieux. Oui, c'est chaque année. C'est chaque année. Et puis, ils investissent beaucoup sur l'humain. Eux, ils investissent beaucoup. Même s'ils te récupèrent, ils trouvent que c'est comme des gens qui récupèrent les pièces détachées, là, ils les recyclent. Ils vont te trouver là, ils vont dire, il a cette formation-là, on veut le caser ici, on va l'amener, puisqu'on n'a rien investi sur lui d'ailleurs, depuis toute sa formation-là. On va l'amener, on va lui payer une petite partie, et puis hop, il va être formé, et puis il devient utile pour nous. Voilà. Donc, finalement, pour revenir à la Mauritanie, c'est finalement, comme l'indique le titre, le sous-titre de cette partie-là, c'est-à-dire que finalement, on a un pays qui est censé être notre mère et qui ne veut pas de nous. C'est-à-dire qu'ils ont. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement de retourner À un certain moment, il faut s'asseoir et dire. Il faut vraiment, c'est la première fois que j'ai décidé de baisser les bras dans ma vie. Parce que, voilà, j'ai étudié avec des fils de ministres. J'ai étudié avec le fils du maire de Rousseau, le fils du directeur de la Banque centrale. C'était à l'époque où on se mélangeait encore un peu. Et puis, Ces gens ont des postes, hein, parce qu'ils font de la ils ont tous eu des bourses, ils sont tous revenus, ils m'ont trouvé en Mauritanie. Et l'anecdote, c'est que quand j'étais sorti major en quatrième année d'université, parce qu'en quatrième année, j'étais le major des majors. Donc, il y avait 7 majors et j'étais le major de tous les majors. J'avais la meilleure moyenne. Et j'étais fier de moi. Et puis, je partais. Je me préparais pour aller maintenant enfin à l'étranger. Ces jeunes-là qui étaient avec moi, qui ont eu leur bac et qui m'avaient déjà dit qu'ils allaient avoir le bac et dans quel pays ils allaient étudier. Et ça s'est passé comme ça. Ils sont revenus. Et il y en a deux, je les ai croisés. On le sait tous, nous. Je les ai croisés dans une boutique. Il y a un d'eux que je me suis présenté très fièrement en lui disant, voilà, est venu mon tour d'aller faire des études. Et lui, il était renvoyé, il était revenu. Parce qu'il n'a pas tenu, il est revenu.
Et bien, finalement, maintenant, il est directeur. Il est... Donc, on les laisse tranquilles. Mais ils sont là. Je te jure, hein, ça, c'est authentique ce que je te dis là. J'étais avec un élève, et c'est le cancre de la classe. Aujourd'hui, c'est un notable. Enfin, c'était le fils de quelqu'un. Ouais. Aujourd'hui, c'est un notable, mais notable de chez notable, avec la grande maison, tout ce qu'il faut, alors qu'il a ri. Mais enfin, bref, c'est normal que ce pays soit. Peut-être qu'il est devenu bon. Peut-être qu'il est devenu bon. On le pardonne. Il est peut-être devenu bon. Mais c'est juste pour dire que chacun a un mérite, parce que c'est un pays où tout le monde a sa place. Même le cancre des cancres a sa place dans ce pays-là. C'est juste que c'est peut-être mal fait et c'est frustrant pour quelqu'un qui n'a pas choisi de partir. Pour ceux qui ont choisi de partir, c'est tant mieux parce qu'on n'est pas obligé de vivre en Mauritanie. On peut choisir d'aller ailleurs. Et moi, j'ai choisi d'aller ailleurs, mais j'ai aussi voulu choisir de revenir. Et ça ne m'a pas été donné. Ben finalement, j'ai dit, bon, je prends de l'âge. Mes enfants ne savent plus où j'habite parce que je suis quelque part là, ici, là. On est là 6 mois. J'ai dit, ça ne va plus tenir. Il faut trouver un chez. Et j'ai accepté finalement d'orienter mes efforts à m'installer au Canada. Et après, bon, j'ai intégré le ministère de la Santé où... Au début, j'ai travaillé d'abord comme responsable dans le sens où j'étais là pour monter un système de dépistage, des résistances, des antirétroviraux pour les personnes qui ont le VIH. Donc, tous les Canadiens qui ont le sida, pour mesurer un peu les profils génétiques, entre guillemets, des résistances qu'ils ont. Donc, j'étais pris là et j'ai aimé pendant quelques années. Après ça, dans leur programme... du cannabis à usage médical. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant quelques années. Et là, je travaille au niveau des ministères des Autochtones. Je m'y plais beaucoup et de temps en temps, je continue à participer autant que je peux à des activités sur place. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils t'ont eu à l'usure. C'est-à-dire que pendant des années, tu as fait des voyages, tu as tout fait, Et c'est exactement ce qu'on constate tous dans différents domaines, que ce soit pour avoir des papiers, que ce soit pour ton champ qui a été pris, que ce soit par exemple les déportés qui veulent revenir et qui sont là démunis et qui n'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, ils laissent les gens comme ça et on est un peu coincé avec eux et il y a personne qui fait rien, on n'a pas de force pour nous opposer à eux. Donc, finalement, ils finissent par nous avoir à l'usure. Il y avait eu quand même une lueur d'espoir, parce que je me souviens, il y avait le président, l'ancien président, son excellence, Oula Abdelaziz, qui avait initié un projet. Son excellence. Ouais, il a été quand même notre président. On lui sa médiocrité, oui. Oula Abdelaziz, voilà. Qui est accusé de détournement de fonds, de... Donc, on est parti et puis on a été invité. C'était trop gentil, quoi. On a été invité, on est venu et puis on s'est retrouvé. Il y avait plein de personnes qui sont venues d'Europe, d'Amérique. Et puis, c'était retour au Bercail. Et puis, on a discuté. Moi, j'avais gardé beaucoup d'espoir. J'ai dit, tiens, je pense que maintenant, c'est sérieux là. Parce qu'on est là au niveau au sommet de l'État où il y avait tout le monde et puis on en discute sérieusement, le président était venu, il y a eu des discours et j'étais même choisi parmi ceux qui étaient invités à la télé ce soir-là pour parler un peu de ce problème, de cette envie de revenir et tout ça. Et là aussi, j'ai laissé la moitié de ma valise au pays, je me suis dit, ça c'est le retour de ma valise. Toi, tu es un éternel optimiste. Finalement, non, c'est tombé à l'eau. Et en fin de compte, je me suis dit, écoute, sois réaliste. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut te poser. Et puis finalement, je me suis posé, j'ai intégré le ministère et puis je travaille. Je suis heureux dans le sens où je fais ce que j'aime. Je contribue au développement de mon pays. Une petite parenthèse, pendant le COVID, vu que moi, je suis virologue de formation, j'ai participé avec mon ami Dr. Clay, qui m'a une personne que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, qui a été la première personne ou l'une des personnes qui a dénoncé ce qu'a subi cette collègue-là qui a été éliminée
parce que je pense que c'était une histoire d'arabe et tout Parce que, ça. ouais, à cause de l'arabe, ouais. Ouais, et puis, Dr Clem m'a invité plusieurs fois pour venir voilà, expliquer un peu sur cette confusion qu'il y avait au départ sur l'usage des techniques de PCR, et parce que voilà, tous les médecins ne comprennent pas forcément parce qu'ils ne sont pas des biologistes. Et donc, il y avait des ambiguïtés qu'il fallait éclaircir ici et là. Il y avait aussi un autre groupe où il y avait beaucoup de professionnels de la santé de la diaspora qui se réunissaient avec les professionnels de la santé locaux qui étaient au plus près des malades pour discuter des cas. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, beaucoup qui étaient encore à l'étranger. Et puis voilà, on participait comme on pouvait à aider le pays. C'était pour montrer, pour moi, c'était une façon de dire au pays, tu m'aimes pas, mais moi je t'aime. C'est tout. Et le jour où un président ou quelqu'un comprendra qu'il y a des gens comme moi qui ne rêvent que de rentrer chez eux, ce jour-là, peut-être, ce sera le moment de revenir au pays, parce que moi, je pense que j'ai plus rien à voir à l'étranger. J'ai été dans les plus grands laboratoires, j'ai côtoyé des éminents chercheurs, je continue toujours à apprendre et je me suis dit que j'aurais bien aimé bâtir un pont entre mon pays d'accueil et la Mauritanie et essayer de faire profiter aux Mauritaniens ce dont j'ai appris ici et faire profiter aux Canadiens ce dont j'ai appris en Mauritanie, parce qu'aussi il y a des choses à apprendre en Mauritanie. D'ailleurs, le poste que j'ai eu maintenant, actuellement, depuis 2018, la mutation que j'ai eue, c'est paradoxal, mais pour certains, mais pour moi non, c'est que mon expérience en Mauritanie, parce que je travaille beaucoup dans le communautaire, j'aide beaucoup à organiser des caravanes médicales ici. Ouais, tu es aussi un peu modeste, mais tu fais beaucoup, beaucoup de choses dans le domaine social. Tu aides beaucoup J'en beaucoup de fais, gens dans ta et mission. voilà. Un de mes collègues m'a dit, il cherchait quelqu'un qui avait un peu cette expérience-là, qui avait une expérience de travailler en zone rurale, qui connaît un peu. Et puis, dès que je suis revenu, j'ai reçu ce courriel, me disent, voilà, la section X veut t'avoir, est-ce que tu es prêt à les rencontrer? Je leur ai dit ce que j'ai fait, il me dit, exactement, on cherche une personne comme toi. Et c'est une expérience que j'ai eue de Mauritanie qui m'a permis d'avoir le poste que j'ai actuellement. Donc, c'est pour moi, pour dire que les deux sont possibles. Là, présentement, comme je l'ai dit, je participe à l'encadrement d'étudiants, j'aide des étudiants. Je ne suis pas payé pour ça, mais c'est une part de contribution que je me dois de donner à mon pays. Et puis voilà. Donc, entre moi et la Mauritanie, c'est que je t'aime moi non plus. Ouais, je pense que c'est la Mauritanie est comme ça avec tous ces enfants noirs, hein, c'est pas, et puis ce qu'on parle là, la liste que j'ai reçue ne parle que de médecins. Et de scientifiques, si on va par exemple, le monde diplomatique à l'ONU, il n'y a que des Mauritaniens là-bas. Et partout dans les organisations internationales, ici, par exemple en Suisse, à l'OMS, il y en a tout plein. Et c'est que, généralement, c'est que des Noirs qui sont là et qui ne travaillent pas dans ces organisations grâce à la Mauritanie, mais grâce simplement à leurs compétences. La Mauritanie ne leur permet même pas de travailler dans des organisations comme ça. C'est simplement qu'ils ont des compétences et puis ils vont travailler ailleurs, quoi. Et puis, il y a un truc que tu me disais aussi, dans l'avion, t'avais croisé une Française et qui allait travailler. Je sais si tu veux raconter l'anecdote un peu. C'est une anecdote très drôle parce que c'est à l'époque où j'enseignais encore en Mauritanie. Ce qui est difficile, c'est que le système n'est pas bien organisé. Parce que ici, quand tu es invité à donner une conférence ou quand tu es invité à donner un programme d'enseignement, tout est préparé pour que tu viennes dans de bonnes conditions, pour que tu enseignes et que tu repartes. Moi, à chaque fois, il fallait que j'envoie des courriels pour demander hey, quand est-ce que je vais venir? Parce que c'est par rapport à ça que j'allais pouvoir organiser mon temps ici. Et voilà, et puis j'étais dans l'avion, je préparais mes cours parce que je sais que j'arrive aujourd'hui, après-demain, je dois commencer à donner mes cours parce que c'était une période limitée. Je donnais des cours, on appelait ça des cours de missionnaire. Quand on venait, on arrêtait tous les autres cours pour permettre au professeur qui n'est pas là de pouvoir utiliser tout le temps, même le temps pour les autres professeurs, pour pouvoir finir son cours dans le temps, faire la première partie, faire les examens, faire les devoirs, prendre les copies et partir. Donc c'était condensé.
Et malheureusement, ça grignotait au niveau de mon temps parce qu'ils ne sont jamais prêts. Je me souviens, il y a des moments où je venais où la salle n'était même pas balayée et je me suis retrouvé à balayer la salle avec mes étudiants. Et puis j'étais dans l'avion, j'étais à côté d'une dame. Elle me dit, oui, je vous vois faire des trucs. Est-ce que vous êtes un professeur? Je dis, oui, j'enseigne. Je pars en Mauritanie pour enseigner. Je dis, vous enseignez quoi? Je dis, je pars pour donner des cours en cancérologie au niveau d'un master à la faculté. Elle me dit, tu as vu ce monsieur derrière? Je dis, oui, il me dit, c'est un français. On s'est croisé là. Il m'a dit qu'il part donner des cours. Et c'est un vieux retraité français qui donne des cours. Alors qu'ils font venir ces gens-là, alors que vous êtes jeune, vous êtes dans le. Et puis, je ne comprends pas. Alors vous êtes dans le système académique, alors que lui, c'est un enseignant. Et je dis, c'est comme ça. Et puis, elle me dit qu'elle vit en Mauritanie depuis 24 ans, mais ses enfants sont nés en Mauritanie. Elle ne comprend toujours pas pourquoi les Mauritaniens, quand ils partent étudier, ils ne reviennent pas. Je C'est-à-dire dis. que le gouvernement mauritanien préfère employer de vieux médecins français que de payer ses propres enfants pour parce qu'ils Dans ce sont cas-là, oui, un peu noirs, quoi. dans ce cas précis, c'était ça. Parce que d'ailleurs, j'ai été très honoré par mes étudiants qui m'ont expliqué qu'il y a une année où ils ont décidé de prendre un Sénégalais et les étudiants ont voulu partir en grève parce qu'ils réclamaient à ce que je vienne les enseigner. C'est des étudiants qui me l'ont dit, ils m'ont dit on veut que tu reviennes parce qu'on aime tes cours, on aimerait bien. Et même les professeurs qui m'entouraient appréciaient bien mon cours. Mais voilà, à qui la faute? Le système. Et le système n'a pas de nom. Le système raciste mauritanien, faut le C'est dire jusqu'au bout. Et puis il y a autre chose aussi qui m'a fait rire quand on a parlé, c'était tu me disais que tu voulais tellement avoir un travail que tu te retrouvais derrière des gens qui n'avaient même pas fait l'école et qui voulaient te mettre ouais, dans le c'est circuit pour avoir drôle. C'est du travail. drôle parce que j'ai jamais vu autant d'hommes politiques de ma vie que pendant cette période-là. Parce qu'on m'a amené et puis c'est la famille qui était derrière. Elle a forcé, elle m'a dit, viens, on va tout faire pour toi. Puis j'étais là accompagné de mon frère, lui, et puis avec ses trucs. Et puis on m'a amené. Moi, j'avais mon sac et puis on partait où? J'avais un agenda, je l'ai encore, où j'ai noté toutes les rencontres que j'ai faites avec des ministres, avec des députés, avec des hauts gradés de l'armée. Et puis on partait la nuit, on trouvait des gens Et hachés. dedans, il y avait des Arabes, des Noirs, ou il y Oui, avait que des Arabes et des... on allait voir tout le monde. Et puis, mais dès moi, j'étais. Après, je me suis rendu compte que j'étais idiot parce que je croyais à ce qu'on me disait. Et puis, voilà, je dis, mais ce qu'il a dit là, ça ne peut pas ne pas être faux là. C'est voilà, c'est vraiment, c'est ce qu'on veut. Le pays a besoin de toi. Je dis, et puis, écoute, c'est fini. Mais finalement, c'était des illusions. Et ça n'a Certainement. jamais. Et je suis allé une fois. Ce matin-là, c'était très drôle parce que le monsieur-là était un député. Il parlait pas français ni anglais. Il était illettré. Il était député. Vous avez vu ses vidéos. Allah yarham, il est décédé. Et puis on est parti une fois le matin. Et puis on est allé voir les gens. Et quand je suis revenu, la façon dont il criait aux gens. Moi, j'étais derrière avec mon sac, mon cartable tout petit. Je le regardais. Et il voulait rentrer voir. C'était un général, quelque part de l'armée, et puis on est partis ensemble. En plus, je me suis assis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? C'est si réaliste, je trouve. C'est-à-dire qu'au Canada, dans des pays comme ça, hyper développés et tout, les gens veulent t'avoir. T'arrives dans ton pays, on a l'impression que c'est... voilà quoi, tout est fermé, tout est... c'est horrible. C'est comme ça. Et si tu étais juste une seule personne, tu peux te dire qu'est-ce que j'ai fait. Mais si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi, tu te dis que qu'est-ce qu'il a fait le système. Et Donc c'est ça. surtout que des personnes qui ont la même couleur de peau que toi, hein, Ouais, c'est pas... c'est ça. On les retrouve un peu aussi de l'autre côté. C'est juste que c'est plus apparent, c'est plus flagrant et que c'est plus récurrent. Donc finalement, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait. C'est dommage en même temps, mais quand on est croyant, on se dit que l'heure n'a pas encore sonné. Quand l'heure va sonner, ça va arriver. Mais qui va sonner la cloche de l'heure? Ça, je laisse ça au marabout.
Ouais, peut-être les marabouts vont nous. Les marabouts, débrouillez-vous, ce n'est pas mon problème. Alors, on va avoir quelques questions. Il y a Yaya Aou qui dit, quelles sont les solutions pour la génération future? Quels sont les jalons à poser pour éradiquer ce fléau? Les générations futures, moi, je ne peux pas parler des générations futures sans parler de mes enfants. D'ailleurs, moi, j'avais dit que tout sauf ça, mes enfants ne naîtront pas ici. Parce que ce n'est pas parce que ma culture, elle est mieux ou elle est meilleure que les autres cultures, mais je voulais qu'ils soient nés dans mon environnement parce que je suis beaucoup plus à l'aise par rapport à mon entourage. Même si je sais qu'il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de problèmes, je me suis dit, il y a certaines valeurs qui sont très importantes que j'aimerais faire goûter à mes enfants très tôt dans la vie. Il y a aussi l'aspect religieux, je me suis dit, la religion m'a beaucoup cadré. La religion, pas la religion comme on le voit de façon universelle, comme beaucoup, parce que maintenant on parle de religion, il y a plein de choses de toutes satellites qui sont dedans. La religion pure, comme moi, je l'ai comprise. Il y a les valeurs religieuses là, je les prends. Le reste là, je mets ça de côté parce que quand on parle de religion, je ne veux pas donner l'impression à certaines personnes qui pensent on est des religions, on connaît tout, on sait tout. C'est pas de cette façon-là. Moi, je ne vois pas la religion comme ça. J'ai une autre façon de voir la religion. Donc moi, mes enfants, je voulais d'abord qu'ils parlent ma langue, qu'ils connaissent ma famille. Le plus large, qu'ils connaissent des valeurs, Notre culture, notre la culture. culture de chez nous, la manière Voilà. de vivre, nos Voilà. valeurs. Et... Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, mes enfants, je ferai tout pour ne pas avoir mes enfants ici. Finalement, ça s'est raté. Donc, moi, maintenant, ma question pour ce qui est de l'avenir, c'est comment est-ce que je pourrais toujours combiner, parce que c'est devenu maintenant une question de combiner ou de mélanger les deux ou de trouver un moyen d'être ici. Et ou là-bas, tout en essayant de travailler fort pour inculquer à mes enfants ces valeurs-là. C'est déjà difficile parce que j'ai trois enfants et à chaque fois qu'ils sont nés, la première des choses que je fais, je prends 6 mois de congé, je pars avec les enfants. Ils parlent poulard, ils restent quelque temps, je les ramène ici, ils oublient tout, on recommence encore. Et j'essaye de bâtir des petits projets. Par exemple, j'ai un projet d'une garderie. Parce que ma fille a aimé une garderie qu'elle a vue au village. Et depuis quelques années, on a un projet de bâtir une petite garderie pour ces enfants-là. Et je veux l'impliquer dans le communautaire, dans l'humanitaire que je fais, pour qu'elle puisse avoir raison, un peu, qu'elle puisse comprendre un peu cela. Mais je sais que c'est très difficile. Jusque-là, ça va. Quand elle sera beaucoup plus grande, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle aura le même principe que moi, le même courage, la même force que j'ai actuellement pour faire tout ça? Elle va peut-être se dire, papa, tu te fatigues, laisse-nous ça, ces gens-là ne veulent pas. Et puis, voilà, hop, c'est fini, Mais blablabla. Bla. tu penses que les jeunes générations, par exemple, un jeune qui se retrouve dans la même situation que toi, tu lui conseillerais quoi, par exemple? Alors, pour les jeunes qui sont dans la même situation, je leur dis toujours, je le dis toujours, parce que. Il y a encore qui cherchent à venir au Canada, qui me parlent de quelle formation je fais. D'ailleurs, j'ai une étudiante qui est au Maroc qui m'appelait ce soir. On parlait un peu de ses formations. Je lui dis, quand tu fais une formation, ne le fais pas pour la Mauritanie. Parce que les parents, ils t'appellent, ils te disent, quel poste tu penserais que quand la personne le fait en Mauritanie, elle va trouver un emploi. Je dis, ne fais jamais de formation pour la Mauritanie. Fais la formation pour le monde. Parce que le monde est vaste. Tu es censé vivre n'importe où. Donc, aie des compétences, autant de compétences possibles que tu pourras. Donc, je leur conseille seulement de ne pas laisser le pays, de se battre comme je l'ai fait, ou peut-être même plus, pour pouvoir revenir, parce que le pays, c'est notre pays. Il y a des obstacles, mais de continuer à se battre et ne pas abandonner, parce qu'abandonner, c'est être défaillant. Et moi, je ne veux pas être défaillant. Et si Dieu me prête la vie, j'aimerais bien un jour mettre ça dans un livre, écrire ça, parce que je ne veux pas que demain qu'on dise que les gens ont fui. Le mot fui, là, il faut l'enlever, parce que. Ouais, ça te choque, hein? Ça me choque parce que la fuite, là, c'est comme fuir ses responsabilités. Parce qu'être dans un pays, c'est assumer des responsabilités. Mais malheureusement, souvent, on est forcé parce qu'il faut vivre, il faut manger. Quand tu es face à toute une famille, deux, trois générations, une maman vieille, des sœurs, des frères, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. De toute façon, même si, par exemple, les émigrés ne sont pas là-bas, c'est les émigrés qui tiennent l'argent qu'envoient les émigrés en Afrique, c'est ça qui tient l'Afrique, c'est ça qui tient les familles en Afrique. Voilà. Il y a Kaou Kouada qui est un vrai fan de toi, hein,
et qui dit, on voit clairement que l'expression la fuite des cerveaux est inappropriée ici, c'est plutôt l'expulsion des cerveaux. Je suis d'accord avec lui. Et il faut savoir qu'il veut faire échouer le développement de l'Afrique, ma sœur. Je pense que notre frère a toute sa place au Mali, en Centrafrique, au Burkina. L'Afrique a besoin de toi. Merci, Mehdi, mademoiselle. Tu vas y aller. Oui, je vais aller voir mon ami Oumar Samasekou, qui était avec moi, qui était médecin, un brillant médecin qui avait fait ses études au Mali, qui s'est retrouvé aux États-Unis. Et on s'est retrouvé à l'université de Sherbrooke, on est resté pendant quelques années. Lui aussi a galéré un peu, mais je pense que présentement, il a réussi à trouver son petit chemin au bout de... Et puisque Oumar a trouvé, pourquoi pas moi, Oumar? Moi aussi. Voilà. Il y a un autre qui dit, en dehors de la Mauritanie, quel pays africain aimerais-tu servir? Moi, je servirais bien le Sénégal parce que c'est la proximité, parce qu'une partie de ma vie aussi, c'est le Sénégal. Moi, je suis né au Sénégal, mes parents ont grandi, j'ai encore des amis au Sénégal. Mais c'est très dur parce que le pays qui t'a vu plus grandir, tu as tendance... Et puis, c'est mon pays d'origine. Moi, je suis mauritanien. Mon père avait quitté la Mauritanie pour aller travailler au Sénégal. Et s'il est revenu, c'est parce qu'il pense qu'on est mieux en Mauritanie. Mais le Sénégal, c'est un pays où je ne travaillerai pas. Ça, on n'a aucun problème. Si on me propose... Tu as un poste pour moi? En tout cas, il y a Tierno Ndiaye Tal qui dit merci à Ganisha et merci également à Dr Sal qui constitue une fierté pour nous tous. Ah ouais, moi je suis super impressionnée. Hein, Et à vous tous, vous êtes une fierté pour nous. Vous êtes, chacun de nous est une fierté là où il est assis pour ce qu'il fait. On est tous fiers de tous et c'est juste que... voilà, il faut continuer à se battre. La vie, c'est comme ça. Et puis, on a juste un petit bout de chemin à faire. Faisons-le avec beaucoup de courage et restons humbles. Et voilà, et aimons notre pays. Est-ce que tu as tenté à... Je regarde en même temps les commentaires. Est-ce que tu as tenté d'aller travailler dans un pays africain pour valoriser tes compétences là-bas? J'ai tenté le Sénégal parce que l'université Mokhtar Mbou, quand il a été ouverte, et puis ils avaient parlé de cela, il y avait mon profil qui était dessiné sur les... J'avais déposé mon dossier, ça a pris du retard, puis ça n'a jamais... Il n'y a pas eu de suite, mais j'ai postulé quand même à l'université au Sénégal. C'est le seul pays africain vers lequel j'ai eu des envies pour aller parce que c'était proche. Puis voilà. Ouais, le Mauritanie-Sénégal pour nous, comme on dit, Maïwana Kérol. Maïwana Kérol, oui, oui. C'est Sénégal, c'est chez nous aussi. Les gens, ils peuvent voler en l'air, caler, faire ce qu'ils veulent. Sénégal, c'est chez nous aussi. C'est comme ça. On a les mêmes familles de part et d'autre. Donc, Je salue mon grand frère Makoura. C'était un Sénégalais qui était avec moi. C'était notre mentor quand je suis venu au Canada. Un grand bosseur, il est à l'université Cheikh Diop. On essaie de développer des projets ensemble pour travailler. Il me dit très souvent, il m'appelle Alou. Il me dit, Alou, si tu n'arrives pas à travailler en Mauritanie, viens au Sénégal. Donc, on a toujours des projets sur lesquels on pense pouvoir un jour travailler. Et puis, mais ça viendra le moment. Lui aussi, il est confronté à des obstacles. Voilà, c'est l'Afrique qui est généralement comme ça. En fait, il y a dans la liste là de scientifiques qui n'arrivaient pas à trouver du travail en Mauritanie, il y en a beaucoup qui sont partis au Sénégal. Maintenant, est-ce que tu as de l'amertume vis-à-vis du pays? Vis-à-vis du pays, oui, parce que c'est quand même et c'est encore beaucoup plus dur parce que si tu pouvais trouver le coupable, le nommer, ça serait beaucoup plus facile. Mais tu ne sais pas qui est coupable. Tu te dis que... Quand je dis que le coupable, c'est indexer quelqu'un pour dire que c'est cette personne-là. C'est parce que c'est un système. Parce que si c'était... Les coupables sont quand même connus. Hein. On connaît les idéologues racistes, on connaît le président Abdelaziz, on connaît le président Razvani, c'est eux qui ont dirigé, on connaît Maouya, on connaît Haïdala, on connaît Ouldadada, on connaît leurs ministres et tous les gens qui collaborent avec ce système. On connaît aussi notre ministre Ousmane Kane, les Soko, les toutes ces petites mains de comme qu'on appelle
les noirs de service, là, ouais, c'est tous ces gens qui sont responsables aussi. C'est aussi la passivité de notre population. C'est là le fait qu'on reste là à attendre. Et c'est aussi de la responsabilité de nos compatriotes arabes qui profitent d'un système, je suis désolée, ils profitent quand même d'un système qui est raciste, qui les privilégie, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est pas la question, c'est que si t'es pas d'accord avec quelque chose, tu le dis. Si tu vois que ton compatriote, parce que c'est ça, être, faire partie d'un même pays, c'est, on est des protecteurs les uns des autres. Si tu vois qu'on me fait quelque chose, tu me protèges. Si je vois que t'as quelque chose, tu me protèges. Mais s'ils ne font rien, ils ne font pas leur devoir. Donc, moi, à partir du moment, même si tu ne fais rien et que t'es pas d'accord, si tu ne fais pas ton travail de concitoyen, ah bah, t'es responsable aussi. Ouais. Donc les responsables, ils sont connus. Je suis tout à fait d'accord avec. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand on parle d'amertume, on a tendance à trouver, retrouver quelque chose sur lequel on va focaliser. Et généralement, c'est un être. Mais là, c'est large parce que c'est un système qui perdure, qui évolue, qui, je ne sais pas, est-ce que ça évolue dans le bon sens? Quelquefois, ça redescend. En tout cas, chaque personne a son parcours, a son expérience de vie. Et finalement. Si je savais la personne, j'allais lui prendre par le et puis je dis que c'est toi le fautif. Mais c'est tout un système. Donc, c'est très difficile d'indexer quelqu'un. Mais là, vous avez dit quelque chose de très important. Moi, je pense que pour toute personne qui aime la Mauritanie, ne devrait pas être insensible à des situations comme ça. Parce que il y a quelque part peut-être un mort qui aussi veut revenir en Mauritanie et qui ne peut pas. Il y a quelque part un soninké, un wolof, c'est pas bon pour un pays. Les gens doivent, ce qui doit motiver les gens, que ce soit des politiques et des non-politiques, c'est de trouver des moyens pour que notre pays se développe. Développer un pays, je vois les humains ou les citoyens d'un pays comme des poutres, tu vois, ou des piliers d'un pont. Et chaque personne, chaque pilier a une charge qui doit se poser sur, voilà, sur sa tête pour soutenir le pays. S'il y a des pilons qui vacillent, le pays ne va pas être stable, ne sera pas bon, ne se développera pas. Et si les gens comprennent cela, je pense que toute cette affaire de discrimination, de trucs, de favoritisme va disparaître. Mais il faut que les gens le comprennent. Et malheureusement, je ne pense pas que ça soit facile que les gens le comprennent parce qu'on a tendance à aimer notre petit intérêt, à s'intéresser à ce petite chose qui nous arrange de façon temporaire, individuelle. Je vous dis aujourd'hui, vous allez beau à amener un sujet tellement important ou bien un projet tellement important pour lequel tu sais que les retombées en matière de santé vont être de grande valeur pour le pays. Tu vas tomber sur quelqu'un qui va être au ministère de la Santé, qui va être la personne qui doit approuver cela. Il s'en fout de ce que ça va donner. Il va d'abord voir comment est-ce qu'il peut rogner un peu d'argent sur le projet. Voilà. Il ne peut pas, le projet il passe pas, c'est tout. C'est ça. Et finalement, tu te rends compte que ces personnes-là ne sont pas là pour servir le pays. On gouverne en Mauritanie pas pour servir le pays, mais pour se servir. Excuse-moi, mais c'est pas leur problème, la Mauritanie. Et malheureusement, c'est pas bon. Il y en a peut-être des exceptions, mais je pense que la plupart du temps, c'est comme ça. On gouverne pour se servir et finalement, les conséquences sont désastreuses. Moi, je pense que c'est mieux de construire un pays que de construire une maison. C'est clair. On arrive à la fin de l'émission et puis je vois que c'est... Tu m'avais dit que tu étais un peu à la bourre, donc je vais te laisser repartir. Mais il y a une dernière question qui est de Mamadou de la Kamané qui dit « Docteur Sall, à défaut d'un poste en Mauritanie, peux-tu vulgariser ta spécialité en peul, bambara ou alors en langue africaine ?» Mais je le fais déjà en peul parce que comme je l'ai dit, je travaille beaucoup dans l'humanitaire. Et il y a plein de vidéos qui sont sur YouTube. Si vous tapez Dr Sall, vous allez voir ça parce que je le fais souvent en poulard, souvent en wolof. Le bambara, je ne parle pas. Mais j'essaye autant que je peux. Je suis dans plein de groupes WhatsApp. J'ai même un groupe qui porte mon nom, qui s'appelle les Fans Club, Dr Sall Fans Club. Waouh! où je suis là, je partage un peu. Et puis, je suis invité en moyenne...
deux groupes par semaine où je viens pour des sujets en rapport avec la santé, puis j'essaie de sensibiliser les gens sur les maladies, et je suis le mal-aimé de ceux qui prônent pour l'usage des crottes de vache pour soigner le cancer. Je suis le mal-aimé. Les virologues, les marabouts virologues, là. Je suis mal-aimé par ceux qui disaient que le coronavirus n'existe pas et qu'on voulait juste tuer les gens parce que voilà, le coronavirus est fabriqué pour tuer le noir. Je ne suis pas aimé par ceux qui pensent qu'ils peuvent, avec deux ou trois racines, créer une potion qui soigne le diabète. Mais je continue quand même à me battre jusque-là. Et puis, Il y a un de tes, je crois que c'est des collègues, qui dit qu'un homme exemplaire et exceptionnel qui a une bonne énergie. J'ai eu la chance de le rencontrer au lycée de Babab il y a quelques années et j'aurais voulu le rencontrer lors de son passage à la UF. C'est quoi la UF? Agence universitaire francophone. Ouais. Ferndar Diaw, oui, ma. Ouali, le mot que Ferndar. Ferndar? Oui, mais il y a Ferndar Diaw. C'est le slogan de Cheikh Oumar là. Cher ami, je ne sais pas qui tu es. J'espère juste que tu ne fais pas partie de ceux qui avaient l'habitude de voler mes stylos. Parce que quand j'étais élève, j'étais très maigrichon, pas plus épais que maintenant. Hein. Et puis, j'avais eu tous les noms. On m'appelait moustique, on m'appelait. Voilà, serpent noir, il y avait tous les noms, langouste. À chaque fois qu'on faisait des sciences nat et qu'on apprenait, on m'appelait microbe, on m'appelait tout, parce que, voilà, donc, ça doit être... C'est horrible, ça! mais c'était bien, parce que, moi, j'en rigolais, parce que, ça n'a jamais été un truc, parce qu'on se donnait des noms comme ça. Les gens avaient tendance à prendre des noms ouais, c'est quand même jamais sympa, hein, d'être la cible des autres élèves, c'est... Mais c'était amical. Moi-même, jusqu'à maintenant, j'ai des noms, mais je ne dirai pas ici parce que ça va très vite, là. J'ai des noms que j'aime bien. Je pourrais les répéter, hein. Non, je ne pourrais pas. Mon frère, je ne voudrais pas. J'ai peur, mais je tremble, là. Je sais qu'il va venir tout de suite. En tout cas, merci beaucoup. Et il y a plein de commentaires positifs et ça fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'avoir, à discuter avec toi. Et j'ai trouvé ton parcours absolument inspirant. Et puis, la manière, c'est surtout la, enfin, moi, je suis quelqu'un de, ouais, je suis un peu, voilà quoi. Et je trouve que t'as pas de rancune, t'as pas de haine, t'as pas de vraiment j'admire. Moi je. Ben, merci beaucoup. Moi je pense que peut-être que la partie de mon corps qui devait garder mon amertume ou mes expériences d'amertume a explosé. Donc ça a cicatrisé. Et puis je me concentre sur les choses les plus importantes. J'ai pleuré en cachette. Publiquement pour des problèmes, mais oui, voilà, j'accepte les choses telles qu'elles sont et je dis que le temps va guérir ces blessures-là et l'avenir est encore, il me reste encore du temps à vivre, j'espère, et j'aurai peut-être à raconter un peu de tout ça parce que je suis très sensible à ce sujet-là parce que quelquefois tu restes tout seul, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait ici, pourquoi je suis venu ici. Ma mère, je reste... Rassure-toi, tu n'es pas seul. Je pense qu'on est tous comme ça. C'est ça. Et puis, je pense de plus en plus à ma maman qui est vieille, qui, quand je lui parle, je vois sur son visage On ne sait pas. À chaque fois qu'on vient, qu'on repart, moi, c'est la même chose. Ça. J'ai aussi perdu mon papa il y a quelques années. Puis, ma maman, elle est aussi âgée. Et à chaque fois qu'on voit, on se disait, elle, ce qu'elle me dit, ah, c'est peut-être la dernière fois qu'on se fasse voir. Et ça, c'est hyper... C'est dur. Ma mère me le dit. Et tu te dis toujours que c'est possible. Ça peut être toi ou ça peut être elle. Et cette année, je suis parti. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Je suis parti, je suis resté 10 mois suite à la naissance de mon petit garçon, le dernier.
et puis j'ai pris 10 mois de congé. Congé entre guillemets parce que je ne travaillais pas ici, mais j'étais toujours sur le terrain, je suis parti du village, Matam, j'étais dans des caravanes médicales, des conférences, des activités jusqu'au dernier jour. Mais c'était toujours plaisant parce que les après-midi, pendant tout le mois de Ramadan, maman était à la maison, à Nouakchott, et puis je coupais le jeûne avec ma maman pendant 10 mois. Pendant 10 mois, j'étais avec, je la voyais pendant 30 jours, on était ensemble nuit et jour. Et puis, ça m'a tellement... C'est de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent voilà. ici, qui ne peuvent pas le faire, qui ont voilà. 4 semaines de congé par année et c'est la course. Quoi. Voilà. J'étais privilégié de pouvoir faire tout ça. Je me suis dit, il y a encore de l'espoir qu'on aura encore du temps à vivre ensemble. Et puis voilà, c'est juste ça. Mais je ne peux pas avoir d'amertume. Ou j'essaie peut-être de cacher cette amertume-là parce que... À quoi sert, on voit que ça t'a touché par rapport, par exemple, à la mort de ton papa. Ça, c'est vrai que c'est dur. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à l'État mauritanien ou aux compatriotes mauritaniens qui peuvent changer les choses? Moi, je dirais à l'État mauritanien de comprendre que la seule façon de développer ce pays-là, ce n'est pas en signant des contrats avec des Marocains, parce que j'en ai vu, des Marocains qui sont là, qui signent des contrats dans des hôpitaux. Ce n'est pas en ayant recruté des gens ailleurs et en leur donnant tout le privilège que nous, on n'a pas eu. Parce que même pendant la période où j'étais recruté en Mauritanie, souvent, il m'arrivait de repartir sans être payé, d'être obligé de faire des procurations. Pour ça a l'air pouvoir... à crédit, quoi. pour avoir mon chèque et puis voilà et alors que pendant ça, comme tu le dis pendant ça ils embauchent quand même des Marocains, des Tunisiens, des Palestiniens, voilà. des Syriens, des voilà. et puis, ça c'est du racisme hein. Je suis désolée c'est dur. Et puis je leur dis tout simplement c'est ce que je dis toujours à mes étudiants quand je finis de les enseigner parce que j'enseigne des les morts, j'enseigne des soninkés, des wolofs, je leur dis toujours, quand vous serez un jour dans une situation où c'est à vous de décider, faites comme moi, parce que moi je suis là, je vous enseigne, je vous vois tous au même pied, et quand je vous donne des notes, je donne mes notes selon les mérites. Et dans la vie, je chercherai à être comme ça, même si j'avais mon fils aujourd'hui dans cette classe que j'enseigne, si il mérite d'être le dernier de la classe, je n'hésiterai pas à lui donner la dernière note de la classe parce que je veux être juste. Ce pays nous appartient. La science, ce n'est pas le privilège. La santé, ce n'est pas le privilège. La santé, tout ce qu'on fait, ce n'est pas favoriser les uns par rapport aux autres. Allons-y chercher les compétences. Parce que si on cherche les compétences, les non-compétents vont devenir compétents. Parce que c'est en mettant des compétents à la place qu'il faut qu'ils vont rendre les incompétents compétents. Mais quand vous mettez des incompétents à prendre des décisions pour les autres, tout le monde devient incompétent et le pays ne se développe pas. Ça rend médiocre les gens parce qu'on se dit on n'a pas besoin de se dépasser ou d'être bon pour avoir un travail. Il suffit juste de magouiller. C'est d'ailleurs comme ça en Mauritanie. Hein, il suffit de magouiller. C'est des magouilles, le parcours. Dès qu'on rentre dans une administration, jusqu'à ce qu'on arrive au ministre, il faut corrompre, il faut rançonner. Enfin, on est rançonné et c'est tout le long comme ça, quoi. Ouais. En tout cas, moi, je te remercie. Je vais te laisser aller. Merci à toi. J'espère qu'on refera une autre vidéo sur autre chose que sur la discrimination, par exemple, dans ta spécialité. Avec beaucoup de plaisir. Et puis, merci aussi aux internautes. Merci à ma communauté qui est une communauté hyper chou. Voilà, je vous adore. Ils sont toujours là. C'est dommage que je ne les vois pas. Je leur fais j'ai dit, c'est dommage que je ne vois pas leur message. Mais je vous dis merci à vous tous. Merci pour les appréciations que vous avez faites à l'égard de ma petite personne. Et puis, voilà, merci à mon grand frère qui est toujours là. Ouais. Il y a tout un fans club là qui est là. Mais il y a Yero Gainak aussi. Ça, c'est... Yero. Lui-là, c'est mon beau. Yerbima, au-delà d'être un brillant virologue,
Docteur Sall est d'une modestie inqualifiable, un homme cultivé, accessible, qui a beaucoup donné et fait de la Mauritanie et notre commune Baobab, en particulier un villageois enraciné et ouvert. Bah, je pense que c'est bon pour conclure. Comment veux-tu que je ne sois pas comme ça si tu continues toujours à me faire des bonnes chansons? C'est un rappeur et ouais. C'est un très bon rappeur. Hiro, c'est quelqu'un qui m'a fait changer. J'avais des préjugés sur les rappeurs parce que moi, je pensais que rappeur, c'est voilà, ce qu'on a tendance à les caricaturer. Et puis, il vient me voir et puis j'ai dit, mais c'est pas ça. Hiro, quand même, j'entendais parler de lui. Il est venu me voir à Bababé et puis on était assis. Et puis, j'ai dit, bon, voilà, j'avais tort, non, de penser que c'était tout comme ça. Et merci, Hiro, pour avoir changé mon mindset. Et merci beaucoup. Bon, hier, c'est un vrai aussi. Hier, c'est mon frère. Ah oui. Mais s'il n'y avait pas assez de monde comme ça, j'allais chanter un peu une de ces chansons. Que j'ai... Tu peux, hein, comme ça, en exclusivité. Vas-y. Ah oui, j'ai peur de mal dire les paroles. Et puis, il va... La prochaine fois, je vais vous inviter tous les deux. Okay. Comme ça, entre un virologue et un rappeur, je vais voir ce qu'on va pouvoir faire. Non, il ne va pas le dire comme ça. Lui, il va dire un virologue, un rapologue. Parce que lui, il rime comme ça. Ouais, c'est vrai, en plus. Non, lui, ça rime tout le temps. C'est clair. Je ne suis pas aussi douée que lui, quoi. Non, c'est... Bon, en tout cas, Msalminim le fait à Djaram. Djaram, à bientôt. Merci à vous. Merci aux Maliens. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, famille. Et puis, on se retrouve demain. Je vous réserve une vidéo sur Aminata Diko. Ça vient. Salut, Mignon. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.